Bon, on commence. Donc, pendant un petit moment, je vais présider et ensuite nous retrouverons notre présidente. Donc, nous en étions à l'amendement 2008. Monsieur Cabrolier, je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Donc, cet amendement concerne, comme on a parlé avant le dîner, la réduction Fillon, c'est-à-dire la réduction générale des cotisations patronales dont peut bénéficier tout employeur. Pour tous les salariés qui gagnent en dessous de 1,6 SMIC brut. Alors là, il y a un problème, c'est que l'assiette de calcul, donc pour cette réduction, comprend beaucoup d'éléments de rémunération, donc les salaires, mais aussi les primes, les rémunérations d'heures supplémentaires, etc. Donc le fait d'inclure les primes dans le calcul de la rémunération annuelle peut avoir pour conséquence d'annuler totalement ou partiellement le droit à la réduction générale. Et ce qui arrive, c'est que les employeurs rechignent du coup à augmenter, à donner des primes ou à augmenter les salaires. Donc cet amendement vise à exclure les primes reçues par les salariés de l'assiette de rémunération qui sert de calcul pour déterminer le montant de la réduction générale donc des cotisations patronales. Cet amendement demande d'exclure les primes. Merci Monsieur Cabrolier. Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Sur le fond, j'ai un avis défavorable, mais en plus, là, votre amendement, comme il est écrit, fait l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc, avis défavorable. Ok. Monsieur Bazin. Vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît. Vous dites l'amendement tel qu'il est écrit. Alors, effectivement, je demande que les primes soient exonérées de la base de calcul. C'est Monsieur l'objet Cabrolier, de l'amendement. Et vous excusez-moi, me dites que... je ne vous ai pas donné la parole. D'accord, mais je voudrais une explication oui, peut-être. Après, d'abord c'est Monsieur Bazin, merci. Merci Madame la Présidente, je ne voulais pas couper dans son élan notre collègue. Moi je profitais de cet amendement parce qu'on évoque justement la problématique des seuils qui peuvent avoir des incitations ou qui peuvent inciter ou dissuader les employeurs dans leur pratique salariale. Puisque ça a un impact sur leurs charges. C'est un peu mon inquiétude, et j'aimerais avoir une étude d'impact sur l'amendement Ferracci, où on a supprimé ce qui existait entre 2,5 et 3,5, pour le remettre entre 1,6 et 1,64. 1,6 et 1,64. Un pouillem. Mais on l'a enlevé quand même aux autres. Est-ce que ça ne va pas dissuader d'augmenter les salaires au-delà d'1,64 et de 2,5 ? C'est une inquiétude. Merci. Madame la rapporteure. Oui, donc je vais donner un complément détaillé d'informations. Donc vous souhaitez retirer les primes de l'assiette de calcul du seuil de salaire qui détermine l'éligibilité de la réduction dégressive. Autrement dit, vous souhaitez que la réduction dégressive s'applique sur tous les salaires jusqu'à 1,6 SMIC, déduction faite des primes. Sur la forme, je note que votre dispositif fait exactement l'inverse de celui recherché, puisqu'il conduit à retirer les primes du calcul du montant de la réduction en elle-même, qui dépend de la rémunération de chaque salarié. Autrement dit, si on adopte votre amendement, la réduction dégressive continuerait de s'appliquer sur les salaires jusqu'à 1,6 SMIC, primes incluses. Mais le calcul du montant de la réduction n'intégrerait plus les primes, ce qui diminuerait le montant total de la réduction pour l'employeur. C'est bon, Monsieur Cabrolier ? Non, mais bon, on ne va pas polémiquer. Très mais bon, peu, la dernière un court phrase, moment, merci. La dernière phrase vise à exclure les primes de l'assiette de rémunération qui va servir de base de calcul pour déterminer le montant de la réduction générale. Mais je ne demande pas à ce que les primes soient déduites de la réduction en question. Mais bon, pas grave. Hein. Mais bon, on l'étudiera encore mieux et... On le reposera. Merci, Monsieur Cabrolier. Je vais mettre l'amendement donc au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Nous allons maintenant avoir des amendements pouvant être mis en discussion commune. Je vais commencer par l'amendement 1144, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente d'être venue avant 21h30. J'avais entendu qu'on recommençait à 21h30. Pour défendre cet amendement,
sur l'égalité salariale. Les salaires des femmes sont inférieurs de 24,4% à ceux des hommes en moyenne. À situation égale, l'écart de rémunération est de 15,5% et atteint en 2021 une différence de 16,5%. Ainsi, on estime chaque année que, de début novembre et ce, jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement en comparaison de leurs collègues masculins. Les femmes représentent 80% des travailleurs pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Discriminées dans le travail, les femmes le sont aussi après leur carrière, touchant déjà des pensions en moyenne inférieures de 40,5% à celles des hommes. La réforme des retraites adoptée l'an passé vient les pénaliser encore davantage, dixit M. Riester. Malgré les lois successives en matière d'égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire ne se réduisent pas. Si le rythme reste le même, les femmes devraient gagner autant que les hommes d'ici 2234, selon l'économiste Rebecca Amselem. Bon, c'est pas, et ça va, c'est l'économiste Rebecca Amselem, ne me criez pas dessus. Cette même Rebecca Amselem promeut un principe d'égale conditionnalité selon lequel l'accès aux subventions publiques que l'on peut éteindre à des exonérations de cotisations doit être réservée aux structures respectant strictement l'égalité salariale. L'égalité salariale est non seulement nécessaire par principe, mais elle permettrait d'investir pour l'hôpital, les EHPAD, les retraites. Et voilà pourquoi vous allez tous et toutes, surtout, voter cet amendement. Merci Madame Fiat, Madame la rapporteure. Oui, cet amendement vient s'ajouter... Ah oui, excusez-moi, Madame la rapporteure. Monsieur Pétavi, pour le 740. Merci. Madame la Présidente, alors en France, les femmes gagnent, comme vient de le dire ma collègue Caroline Fiat, donc 24% de moins que les hommes en moyenne. À partir du 3 novembre, elles travaillent bénévolement jusqu'à la fin de l'année. Elles représentent également 80% des travailleurs, travailleuses pauvres et à temps partiel, et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Aujourd'hui, les entreprises ne font pas leur juste part pour réduire les inégalités professionnelles. Et face à ce constat déplorable, nous considérons qu'il est inadmissible de laisser cette double injustice perdurer. Alors qu'il faudrait attendre 257 ans pour atteindre l'égalité économique entre les femmes et les hommes dans le monde et que la France ne se trouve qu'à la 15e place du classement du Forum économique mondial, les dernières mesures d'incitation du gouvernement ont brillé par leur mollesse et leur efficacité à résorber durablement les inégalités professionnelles. L'égalité salariale est non seulement nécessaire par principe, elle améliorerait également les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d'austérité et les mesures d'exonération des gouvernements successifs. La CGT rappelle ainsi qu'atteindre ne serait-ce que l'égalité salariale permettrait de générer 5,5 milliards d'euros de cotisations sociales pour notre système de retraite. Et en ce sens, il est inacceptable que les entreprises qui refusent de s'engager puissent s'enrichir davantage sur le dos des femmes avec des exonérations de cotisations sociales. Nous proposons donc de conditionner les exonérations à la conclusion d'un accord d'égalité professionnelle afin de dissuader fiscalement les entreprises de discriminer davantage. Merci, M. Pétavi. Madame Fiat, vous défendez l'amendement de M. Mathieu, le 1151 ? D'accord, ok. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous aurez compris, il s'agit là d'un amendement de repli par rapport au 1144 que Madame Fiat vient de défendre. Puisque là, en l'occurrence, il ne s'agit plus d'imposer l'égalité pour bénéficier des subsides, que ce soit des exonérations de cotisations ou des subventions, quelles qu'elles soient. Là, en l'occurrence, il s'agit simplement de conclure un accord en faveur de l'égalité homme-femme. Si mon souvenir est bon, c'est un amendement que nous avions adopté l'année dernière, mais qui était tombé avec le 49.3. Donc, je vous invite, très chers collègues, puisque ça ne coûte rien, la conclusion d'un accord. Malheureusement, ça n'engage que ceux qui y croient, mais en attendant, au-delà des 24%, j'insiste là-dessus, d'écart salarial entre les hommes et les femmes, 24% en défaveur des femmes, j'aimerais rappeler par cette occasion que
aujourd'hui, en France, les femmes sont majoritairement plus diplômées et plus compétentes aux yeux de leur diplôme et de leur acquisition de compétences scolaires ou professionnelles. Et pourtant, nous restons 24% moins bien payés. À mon sens, et j'espère en tout cas que ce sera partagé par tout le monde ici, nous n'avons pas le droit de laisser cette inégalité perdurer et nous devons trouver tous les moyens possibles pour arriver enfin à l'égalité, et notamment l'égalité salariale. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement vient s'ajouter au précédent qui concerne la conditionnalité des allègements généraux. Donc j'aurai un avis, comme l'année dernière d'ailleurs, défavorable sur cet amendement. Je voudrais redire ici l'engagement de la Première ministre à travers la conclusion de la conférence sociale sur le sujet d'améliorer sur l'égalité homme-femme. Je crois qu'elle a été très claire, notamment dans son discours de clôture. Oui, Monsieur Gelch, vous m'excusez, j'ai oublié votre amendement, le 214. Vous nous le présentez ? Merci. Oui, je vous le présente. Savez-vous que ça existe déjà, la conditionnalité du bénéfice des exonérations de cotisations sociales ? Ça existe. C'est la loi du 3 décembre 2008 qui a introduit la possibilité d'une pénalité sur le montant des exonérations quand une entreprise ne respecte pas l'objectif de négociation annuelle portant sur les salaires et l'organisation du temps de travail. Donc le législateur a déjà introduit cette obligation. La réalité commande à dire qu'elle est rarement sanctionnée. C'est moins d'une... Dans le rapport, on avait eu les chiffres auprès de l'URSSAF, pardon, puisque c'est environ... entre 74 et 325 entreprises qui ont été sanctionnées. Mais le principe, il a déjà été posé. Et là, il est très simple à vérifier, c'est pas usine à gaz. Quand on légifère et qu'on dit qu'il doit y avoir un plan relatif à l'égalité professionnelle, c'est une obligation prévue par le Code du travail, mais c'est une obligation sans sanction. Donc si on dit que c'est important l'égalité professionnelle homme-femme, après, c'est juste le contrôle formel de l'existence de ce plan. Ça se trouve dedans, c'est de la roupie de Sansonnet. Mais déjà qu'il y ait un plan avec une négociation, et donc c'est facile à vérifier pour la directe, l'inspection du travail ou qui on veut, il n'y a pas de plan, donc il n'y a pas le bénéfice des allègements généraux. Et je peux vous assurer que ça va être un puissant facteur d'incitation, au moins à ce que des gens se mettent autour de la table et disent « il faut qu'on écrive le plan égalité femmes-hommes ». Voilà. C'est la raison pour laquelle on vous propose cette conditionnalité simple à vérifier. Oui, merci, Monsieur Gage. Madame Fiat, vous vouliez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, juste pour essayer de convaincre, même si j'ai déjà convaincu en défendant mon amendement, mais finir de convaincre mes collègues, mes chers collègues, est-ce que vous savez que l'égalité salariale femmes-hommes, ça finance les retraites de notre pays ? Parce que effectivement, si les femmes sont payées au même niveau que les hommes, elles vont cotiser plus et on n'a plus de problème de financement de nos retraites. Non, mais on vous règle toutes les... Non, mais on vous règle plein de problèmes à payer. Non, c'est pas réglé. Parce que les femmes doivent être payées au même salaire égal, travail égal, salaire égal. Mais là, on vous propose, et c'est mais juste du bon sens, que les sociétés qui mettent pas en place l'obligation d'égalité salariale femmes-hommes, on leur supprime les exonérations de cotisations sociales. Enfin, je ne vois pas comment on ne peut pas voter dans cette commission des affaires sociales cet amendement de bon sens. Nous mettons en priorité l'égalité salariale femmes-hommes. Enfin, je vous invite à voter cet amendement. Ce sera quelque chose qui mettra en priorité ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal, salaire égal. Merci, Madame Fiat. Je vais mettre Madame Carole Janvier, Caroline. Oui, excusez-moi. À un moment donné, vous pouvez aussi entendre que ce n'est pas parce que nous sommes en désaccord avec la solution que vous proposez pour avancer sur la question de l'égalité femmes-hommes, que nous sommes
opposé à cet enjeu-là. Enfin, il faut arrêter de tout simplifier et de caricaturer nos positions. Nous pensons que l'outil du conditionnement de l'exonération de cotisation n'est pas le bon pour régler cette situation. Et pardon, mais de là à dire que cet amendement pourrait régler le problème des retraites, bon, oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Merci, merci, Madame Janvier. Nous allons procéder au vote. Donc, je mets au vote l'amendement de Monsieur Pétavi, le 740, qui est pour. Évidemment, j'en veux beaucoup à Madame Fiat. Je ne sais pas pourquoi ce soir. Non, alors je passe. Excusez-moi. Donc, je passe au vote de l'amendement de Madame Fiat, le 1144, qui est pour. Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Je mets aux voix les deux amendements 700... S'il vous plaît. Je m'entends pas même. Amendement 740 de M. Pétavi et l'amendement 1151 de M. Mathieu. Je le mets au vote. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Et pour terminer, l'amendement de M. Guedge, le 214, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous passons à l'amendement de M. Clouet. Qui le défend, Madame Amiot ? Le 1150. Merci. J'avoue, je suis désespérée, effectivement, par la décision que nous venons de prendre collectivement. De juste renvoyer à une négociation, ça a l'air tellement difficile. Moi, je ne suis pas convaincue de la bonne volonté d'arriver à l'égalité homme-femme un jour. Mais bon. Avec cet amendement, ce que nous vous proposons, c'est de supprimer les exonérations de cotisations aux entreprises qui augmentent les salaires à un rythme inférieur à celui de l'inflation. En gros, on veut pousser les entreprises à jouer le jeu de l'inflation et de permettre à leurs salariés de garder le même pouvoir d'achat tout au long de leur carrière, au minimum, ou du moins jusqu'à une évolution de salaire, et de dire que de continuer de travailler dans une entreprise qui ne permettrait pas de suivre l'inflation revient à perdre de l'argent en continuant à y travailler. Donc, nous vous proposons cet amendement. Merci Madame Amiot, Madame la rapporteure. Même avis défavorable. Donc je vais procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Je vais donner la parole à Monsieur Benz qui me l'a réclamé il y a quelques minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de faire un petit point sur le déroulement des débats, parce que je pense que nous avons un problème assez inédit, me semble-t-il, sur la recevabilité des amendements qui ont été déposés. Au moment où nous parlons, 1426 amendements ont été jugés irrecevables. 765 sont encore en cours de traitement. Il ne nous reste en réalité pour l'instant que 158 amendements à débattre. Ça pose un problème, d'autant que ce soit la commission Affaires sociales ou Affaires finances, je pose ce débat-là parce que, par exemple, pour le groupe du Rassemblement national, nous avions déposé 450 amendements et nous avons eu seulement 36 amendements. Alors, je veux bien qu'on ait fait effectivement quelques erreurs, ça peut arriver, je peux le comprendre, et je pense qu'il y a un souci. Je pense que l'opposition, en règle générale, a déposé beaucoup d'amendements, dont certains ont été déposés il y a un an, qui ont été validés il y a un an, et qui ont été, cette année, rejetés. Ça pose un souci, parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec si peu d'amendements, et donc si peu de temps de parole pour débattre sur le fond et défendre nos positions. Voilà, je trouve que ça pose problème sur le fond et sur la forme. Et j'aurais aimé qu'on fasse un petit point. Je pense que toutes les oppositions sont concernées. Et j'aurais aimé, Madame la Présidente, qu'on puisse avoir des éléments d'explication. Je vous remercie. Donc moi, je peux vous dire que à la minute où je vous parle, il reste 908 amendements à examiner. Il n'y a pas que les oppositions qui ont eu des amendements de irrecevables, la majorité aussi, toutes les composantes de la majorité, et je pense que le taux d'irrecevabilité, on pourrait le comparer à celui de l'année dernière, si comparaison il peut y avoir, n'est pas plus élevé. Et donc, au niveau des irrecevabilités, c'est le président de la commission des finances
Donc nous y sommes, nous, la rapporteure générale et moi, pour rien. Merci. Et non. Voilà, c'est Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Ce qui peut surprendre, c'est qu'en plein examen, alors qu'on a préparé nos travaux, je dis juste, c'est pour tous ceux qui travaillent avec nous, à un moment, on prépare les amendements, on les sort, on prépare les amendements, et voilà. Et donc, je souhaite juste qu'à l'avenir, Madame la Présidente, si vous pouviez remonter au président de la Commission des Finances, de manière à ce qu'il puisse se prononcer dans des délais, j'allais dire, respectueux aussi de notre travail et de ceux qui travaillent à nos côtés, parce que derrière, c'est beaucoup de gâchis. Madame la rapporteure va vous répondre. Non, mais on a... S'il vous plaît, la parole est à Madame la rapporteure. Merci. Moi, je comprends aussi, j'aimerais bien avoir les recevabilités dès le début de l'ensemble des amendements, mais peut-être qu'il faut aussi qu'on fasse notre regard vers nous-mêmes. On a déposé quasiment 3000 amendements sur ce PLFSS. C'est le double à examiner que l'année dernière. Derrière, c'est des administrateurs qui trient, et pour avoir passé le week-end à travailler pas loin, je vois la quantité de travail qui est faite, et que mathématiquement, pour faire les 3000 amendements qu'on a déposés, il faut plus de temps que l'année dernière où il y en avait moitié moins. Donc voilà, ça s'explique juste par le délai, mais on est un peu tous dans l'embarras. Et c'est vrai qu'arriver à des commissions où on a 3000 amendements pour la commission sur un texte où l'année dernière, pour le même nombre d'articles, on avait moitié moins, c'est-à-dire qu'il y aurait le double d'articles, mais c'est le même nombre d'articles. Voilà. Donc, Merci, Madame la rapporteure. Donc, on va avancer peut-être. Oui, ben, je pense que oui, moi-même en tant que députée qui a déposé des amendements identiques à ceux de l'année dernière, ils ont été aussi voilà, irrecevables. Donc, je pense que nous allons continuer. Je pense que nous allons continuer l'examen du texte. Voilà, merci. Nous allons passer à l'amendement. S'il vous plaît. Ne profitez pas de ma gentillesse. Alors, Nous allons examiner l'amendement de M. Mathieu. Madame Amiot, peut-être. Vous le défendez, 1143. Ou Madame Fiat. Donc, par cet amendement, nous proposons que les exonérations de cotisations sociales soient subordonnées au respect d'obligations sociales et environnementales. Depuis le début de l'année 2020, notre pays a traversé une crise sanitaire d'envergure mondiale, mettant notre société en difficulté sanitaire, mais également économique et sociale, avec une inflation historique du fait d'une guerre et effet d'aubaine spéculatif. Au premier semestre 2023, les bénéfices nets des entreprises du CAC 40 continuent leur progression de 15% sur un an pour atteindre 75 milliards d'euros. Pendant ce temps, 14% des Français sont en situation de privation matérielle et sociale. 10% des Français ne peuvent pas se chauffer correctement. 9,6% ne sont pas en capacité de payer à temps leur loyer, intérêts, factures. 25% des Français prévoient de se priver sur leur chauffage, budget d'alimentation. Un niveau record depuis 1985. Nous ne sommes pas égaux face à la crise. Si ça vous fait rire de voir les Français en situation de crise, tant mieux pour vous. Moi, ça ne me fait pas rire. Madame Fiat. Dites à vos collègues de se calmer. Plan de relance France 2030, PGE, baisse d'impôts de production, sans oublier le célèbre CICE. Les grandes entreprises ont été perfusées d'argent public, sans aucune contrepartie sociale, économique ou environnementale. Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Si peu pour les investissements directs, pourtant indispensables à la bifurcation écologique, dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron, ce dernier quinquennat, des cadeaux pour le capital, rien pour le peuple. Au vu de la situation économique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à établir une réelle conditionnalité des aides publiques. En cas de non-respect des conditions, les entreprises se verront contraintes à des sanctions reversées au budget de la sécurité sociale. Merci. Oui, merci, Madame Fiat. Je voudrais juste faire une observation. Vous n'êtes pas obligé de lire tout l'exposé des amendements. S'il vous plaît,
Si, non, d'accord. C'est une observation, c'est tout. Une observation. Parce que sinon, à ce stade-là, on ne va pas y arriver. Madame Fiat, s'il vous plaît. Oui, vous avez 2 minutes. Voilà. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Madame Fiat. À travers votre amendement, vous prévoyez... À travers votre amendement, vous prévoyez que les exonérations de cotisations sociales soient subordonnées au respect d'obligations sociales et environnementales. Il s'agit là encore d'un amendement instaurant une conditionnalité des allègements généraux pour lesquels j'ai dit avoir un peu de silence, s'il vous plaît. Défavorable. Non, on ne prend pas la parole. Vous la demanderez, je vous la donnerai après. Merci. Vous avez fini, Madame la rapporteure ? Madame Amiot, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, Madame la Présidente. Sans vouloir remettre en cause votre présidence, et avec tout le respect que je vous dois, chacun défend ses amendements absolument comme il l'entend, dans le temps qui lui est imparti, que ce soit par la lecture de l'exposé des motifs, par la lecture de ce qu'il aurait pu ou pas nous préparer, que ce soit par des exemples réels ou fictifs. Enfin, concrètement, s'il y a bien une chose sur laquelle on est libre, c'est comment chacun défend ses amendements. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était simplement une observation. Merci. Alors je vais donc passer au vote de l'amendement, s'il vous plaît. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous allons passer à 3 amendements identiques. Monsieur Guedj pour le 220, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, cet amendement vise par cette rédaction un peu maximaliste, c'est-à-dire l'abrogation de l'article qui prévoit l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires, de poser le débat qu'on a déjà évoqué, et qui figure d'ailleurs dans le rapport qu'on a produit avec Marc Ferracci. Acceptons-nous encore que cette désocialisation des heures supplémentaires soit la seule exonération de cotisations sociales qui ne soit pas compensée ? Et là, pour le coup, c'est une perte de recettes sèches pour l'État. Pardon, pour la sécurité sociale. Alors je connais l'argument, mais qui reste à démontrer, qui est de dire, oui, mais ça crée une dynamique. Voilà. Mais la désocialisation des heures supplémentaires ne se traduit pas par de l'emploi supplémentaire. C'est des heures supplémentaires, il n'y a pas... au contraire, c'est même de l'incitation à ne pas recourir à des salariés par ailleurs. Donc, acceptez la désocialisation. Mais expliquez-nous, on ne pouvait pas déposer un amendement en ce sens, puisque forcément, il était irrecevable. Mais expliquez-nous la raison pour laquelle vous entretenez le déficit de la sécurité sociale à 2,5 milliards parce que en 2019, vous avez prévu de ne pas compenser cette exonération de cotisations sociales au mépris de la loi de 1994 et du principe posé par ailleurs dans la loi organique de compensation et donc entretenant le déficit de la sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'on a cet amendement par ailleurs maximaliste qui est de toute façon... arrêter de désocialiser les heures supplémentaires. Comme tout revenu, il doit contribuer au financement de la sécurité sociale. C'est le principe du salaire différé. Et que ce soit un revenu d'heures supplémentaires, un revenu de distribution gratuite d'actions, un revenu de retrait de chapeau, un revenu de primes, d'intéressement, etc., le revenu sous toutes ses formes, nous on préfère le salaire, doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale, qu'elles soient salariales ou patronales. Merci. Je passe... à l'amendement suivant de Madame Amiot, le 1149. Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, l'amendement 1149 de Madame Amiot et plusieurs de ses collègues. Donc, c'est article additionnel après article 10, insérer l'article suivant, oui. 2 points. L'article L.241-17 du Code de la Sécurité sociale est abrogé, point. Oui. Exposé sommaire. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'exonération de cotisation vieillesse sur les heures supplémentaires qui fait perdre de l'argent au système de retraite, point. Pour justifier sa réforme des retraites, le gouvernement a agité le chiffon rouge de la faillite du système, point. La réalité, c'est qu'il a imposé une régression sociale en dénonçant des déficits qu'il contribue lui-même à aggraver, point. Il en va ainsi de l'exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires que l'État ne compense pas à la sécurité sociale. Point. Chaque année,
Ce sont près de 2 milliards d'euros qui manquent au système de retraite. Point. Pour éviter une augmentation générale et significative des salaires, le gouvernement préfère toujours passer par des voies détournées au détriment du salaire socialisé et de la sécurité sociale. De point. En témoignage, la loi sur le partage de la valeur votée le printemps dernier. Point. Je crois que je ne l'ai pas voté quand même. Nous proposons une solution simple. Deux points. Éradiquer les niches sociales en tout genre et les exonérations inefficaces. Point. Pour commencer, virgule, supprimons la niche sur les heures supplémentaires. Point. À faire et à dire et à montrer que nous sommes en train de lire des exposés sommaires travaillés durement par nos collaborateurs et nous-mêmes, il serait bon ton de montrer le travail intense et intense de nos collaborateurs et nous-mêmes, et j'en suis très fière de le lire. Merci Madame Fiat, Monsieur Dharréville pour le 1525, merci. Oui, Madame la Présidente, donc il s'agit effectivement de remettre en cause cette mesure qui a été prise, que nous avons toujours contestée, de désocialiser les heures supplémentaires, et a fortiori, j'ai envie de dire, ces heures supplémentaires devraient donner lieu à cotisation, parce que nous savons très bien que l'augmentation du temps de travail est de manière générale, surtout quand il est répété et qu'il se fait dans la durée, pas une bonne chose pour la santé sous toutes ses formes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une exonération de cotisation pour notre protection sociale avec la désocialisation des heures supplémentaires. Et Jérôme Guedj, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt de nature d'ailleurs à peser sur l'emploi qu'à l'encourager. Merci Madame la rapporteure. Merci pour ces trois amendements. Un avis défavorable. Cette proposition va à l'encontre de la politique en faveur du développement des heures supplémentaires que nous portons. C'est augmenter l'activité, c'est augmenter le pouvoir d'achat, donc indirectement aussi des recettes pour la sécurité sociale. Oui, merci Madame la rapporteure. Monsieur Bazin, vous avez demandé la parole, et ensuite Monsieur Dharréville. Je pars du même principe que Madame la Présidente, un pour un contre. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'on a la mémoire courte. Il y a eu les Gilets jaunes, une attente forte sur le pouvoir d'achat. Et donc on a réfléchi, et la mesure qui permettait très vite d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs de classe moyenne, c'était l'exonération et tout de suite derrière il y avait l'engagement, et on a eu ce débat, je me rappelle, avec Pierre Dharréville, on a demandé une garantie au gouvernement pour que ça soit compensé, et le ministre Auban, vous étiez là Madame la rapporteure générale, le ministre Auban s'est engagé à la compensation de ces... Donc je ne comprends pas pourquoi finalement on laisse à penser que ça ne serait pas compensé. Si, c'est compensé. Après, on est sur d'autres flux qui ne correspondent pas aux cotisations elles-mêmes. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est des financements du budget d'État qui viennent compenser. Mais si, il y a des compensations. Mais si, il y a d'ailleurs un chapitre qui traite des compensations. Monsieur Bazin, terminé. S'il vous plaît. C'est bon ? Merci, monsieur Bazin. Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut augmenter la rémunération du travail. Et en réalité, ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est l'inverse que vous avez fait en désocialisant les heures supplémentaires. Parce que vous avez y compris priver les salariés d'une partie de la rémunération qui est la cotisation sociale. Donc voilà, on a enfin, en tout cas. Pour être plus précis, vous avez fait comme si, enfin, vous avez, par un jeu de vases communicants, vous avez supprimé la cotisation et vous avez fait semblant que c'était une augmentation de cotisation sociale, voilà. Une augmentation de salaire, pardon. Moi, je voudrais dire à Thibault Bazin que j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu enfumer par le gouvernement, parce qu'en réalité, il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation. Des heures de la désocialisation des heures supplémentaires. Voilà. Et donc, c'est effectivement un problème qu'on rompe avec ce principe et qu'on ne compense pas ces heures supplémentaires.
des socialistes. Merci, monsieur Dharréville. Je vais passer donc au vote de ces trois amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Nous passons à l'amendement 225, monsieur Guedj, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Fidèle à l'idée selon laquelle toute forme de rémunération doit être contributive au financement de la sécurité sociale, cet amendement vous propose d'assujettir les dividendes à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. On l'a dit et redit, on voulait les taxer de manière exceptionnelle. Là, on veut juste les faire rentrer dans le droit commun de l'assiette. 80 milliards de dividendes versés. Alors, c'est un débat passionnant depuis la LFSS de 2009. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je garde ça pour la séance. Et donc, je vous propose de procéder ainsi. Merci, monsieur Guedj. Madame la rapporteure. Un avis défavorable, et votre amendement, en fait, a la conséquence paradoxale d'augmenter les prélèvements sociaux sur l'actionnariat salarié sans modifier les prélèvements versés aux actionnaires non salariés. Je ne crois pas que ce soit ce que vous visez. Donc, avis défavorable. Merci, madame la rapporteure. Je vais donc passer au vote de cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. L'amendement 226, monsieur Guedj. Oui, là aussi, constance et cohérence dans nos propositions. C'est un amendement aussi qu'on avait déposé dans le cadre du projet de loi dit sur le partage de la valeur ajoutée. Mais on n'avait pas le droit de le faire puisqu'il fallait rester dans le cadre étroit de la transposition de l'accord national interprofessionnel. Là, il s'agit de supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale sur l'intéressement, les réserves de participation et les abondements dans le cadre des plans d'épargne salariale. On est typiquement, on l'avait aussi déposé pendant la réforme des retraites, cette désocialisation de ces formes de rémunération qui ont leur pertinence prive quand même d'environ 3,5 milliards le financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, à l'époque, ça aurait pu être une des ressources alternatives pour le financement de la branche vieillesse plutôt que les deux années de travail supplémentaire. Voilà. Merci, monsieur Guedj, madame la rapporteure. Ouais. Donc je vais faire procéder au vote donc de cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. L'amendement 1206, monsieur Clouet, madame Amiot. Ah, monsieur Ratenon. Je reviens, voilà. OK. Oui, madame la présidente, dans le même registre, cet amendement a pour objet de soumettre les revenus d'intéressement à l'assiette de cotisation de sécurité sociale. En effet, plutôt que d'augmenter les salaires face à l'inflation, votre gouvernement prévoit de les comprimer davantage par sa réforme des retraites. Et selon l'OFCE, le relèvement de 2 ans de l'âge égal de départ entraînerait une baisse des salaires de 3% à l'horizon. La thèse de la boucle prix-salaire, selon lequel la hausse des salaires viendrait gonfler l'inflation, est totalement erronée et démentie par un groupe de recherche du FMI. Le gouvernement s'obstine pourtant en substituant au salaire des dispositifs de rémunération désocialisés, primes de partage de la valeur, participation et intéressement. Nous proposons au contraire d'augmenter les salaires et de soumettre à cotisation les revenus par lesquels le gouvernement prétend les remplacer. Merci, monsieur Ratenon. Madame la rapporteure. Oui, merci. Votre amendement veut soumettre les revenus d'intéressement à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il aurait comme effet de désinciter l'employeur à verser des sommes au titre de l'intéressement, des réserves de participation et l'abondement de plans d'épargne retraite. Et c'est contraire à la politique que nous portons. Donc un avis défavorable. Merci, madame la rapporteure. Je vais donc mettre au vote cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 1207, madame Amiot, excusez-moi. Oui, merci madame la présidente. Avec cet amendement, nous souhaitons soumettre le revenu d'intéressement à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
c'est l'OFCE qui le révèle et qui disait que le relèvement de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite entraînerait une baisse de salaire de 3% à long terme. D'où cette proposition, d'une part, le fait que en réalité, on aille chercher les cotisations partout où elles sont, y compris dans l'intéressement. Et d'ailleurs, la thèse de la boucle salaire, prix-salaire, selon laquelle la hausse des salaires viendrait gonfler l'inflation, est totalement fausse et démentie notamment par le FMI, qu'on ne peut difficilement accuser d'être de gauche. Donc, plutôt que de s'obstiner à maintenir des salaires bas, à octroyer des primes plus ou moins garanties, voire pas garanties du tout, et exonérer de cotisations l'intéressement et ces mêmes primes, ou les heures supplémentaires, nous vous proposons tout simplement remettre en place les cotisations sur tous les revenus, y compris l'intéressement. Merci, Madame Amiot. Madame la rapporteure. Pour la même raison, avis défavorable. Donc, je mets au vote cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Monsieur Guetsch, pour le 763. Oui, alors je ne suis pas Monsieur Guetsch, mais je le ressens beaucoup. Monsieur Delaporte, bonjour. Bonjour, rebonjour. Oui, c'est un amendement qui s'inscrit dans le cadre du combat qui a été porté par la NUPES lors de l'examen de la loi plein emploi. Et cet amendement ici, il vise simplement à faire en sorte que ce qui a été annoncé dans la loi soit transcrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, on a voté le droit pour les travailleurs des ESAT de bénéficier d'une complémentaire santé, dispositif actuellement en discussion, donc, enfin, qui a été voté, mais qui devrait être voté définitivement bientôt. C'est l'article 9, alinéa 24 du projet de loi plein emploi. Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail bénéficient d'une couverture santé à adhésion obligatoire. Et ça a été chiffré dans l'étude d'impact à 36 millions d'euros. Et donc il s'agit simplement de transcrire dans le PLFSS ce qui devrait être voté, même si nous nous opposons à la loi plein emploi. Mais si d'aventure la majorité décide de la voter, nous souhaitons faire en sorte que le projet de loi de financement de la sécurité sociale soit conforme et permette d'accompagner et de soutenir financièrement les ESAT qui ne pourront couvrir seuls l'intégralité du financement. D'ailleurs, aujourd'hui, ces établissements sont engagés dans un plan de transformation, mais ils ont besoin d'être accompagnés pour cela. Et le code social, l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs que l'État assure la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Et proposer donc un dispositif équivalent pour que les travailleurs handicapés en ESAT bénéficient d'une complémentaire santé en lien avec les dispositions légales du Code de la Sécurité sociale. Merci, Monsieur Delaporte. Madame la rapporteure. Oui, c'est un sujet important, Monsieur Delaporte. Mais alors, la rédaction de l'amendement tourne pas. Faut le réécrire, à mon avis. Et de toute façon, j'aurai un avis défavorable à ce stade. Mais dans tous les cas, ça ne tourne pas. Je vois déjà Madame Cloarec et ensuite Monsieur Delaporte. Excusez-moi. J'ai pas un reset. Juste pour préciser que le gouvernement est tout à fait conscient qu'effectivement, avec les nouveaux droits ouverts pour les travailleurs en ESAT, et on ne peut pas ne pas être d'accord avec ces nouveaux droits, il y a une mission IGAS qui est lancée et que nous attendons les résultats et donc la remise du rapport sur les surcoûts en fait, engendrés par les nouveaux droits pour pouvoir effectivement agir et protéger les ESAT, puisqu'on sait très bien qu'ils vont être impactés. Merci, Madame Le Labour. Monsieur Delaporte. Oui, donc j'entends ce que dit Madame Le Labour, qui reconnaît donc qu'il va y avoir un surcoût. Ce surcoût a été chiffré dans l'étude d'impact à 36 millions d'euros. Donc peut-être que ça dépend si ça a déjà été fait, mais ça veut dire que l'étude d'impact du gouvernement est lacunaire ou erronée. C'est peut-être ça le cas. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de voter cet amendement pour envoyer un signal
finalement aux ESAT pour dire que ça sera compensé. Vous savez très bien que ça peut être retravaillé en vue de la séance, mais ça sera au moins le signal que la commission souhaite transcrire une mesure qui devrait entrer en vigueur possiblement dans les prochains mois. Donc voilà, c'est aussi... là, on est là pour donner le signal de l'ambition de notre commission. Et Madame la rapporteure, j'entends que ça ne tourne peut-être pas assez bien juridiquement. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'administrateurs à nos côtés quand on est député de l'opposition pour nous aider. Mais si jamais vous nous mettez à disposition des administrateurs, on pourra rédiger un meilleur amendement. Mais vous pouvez aussi, dès aujourd'hui, le sous-amender pour la commission. Merci, Monsieur Delaporte. Je vais procéder au vote. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Il est rejeté. Madame Gruet, vous défendez l'amendement ? Merci. Merci, Madame la Présidente. Cet article additionnel prévoit un dispositif d'exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs publics sur toutes les couvertures de protection sociale complémentaire. Ça doit en effet permettre aux employeurs de la fonction publique des trois versants, devant désormais participer de manière obligatoire à la protection sociale complémentaire de leurs agents, de garantir un haut niveau de couverture en santé, ce dans une période de crise inflationniste qui impacte fortement leur capacité de financement. Il en va du coup également de l'équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et le respect d'égalité entre les agents publics. Merci. Merci Madame Gruy, Madame le rapporteur. Défavorable. Je fais donc procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous allons passer à des amendements identiques. Alors oui, Madame Valentin pour le 72, merci. Oui, merci. Les métiers du domicile ont donc de peine à recruter. Donc cet amendement d'Yannick Neuder prévoit d'alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d'effectuer leur tournée au domicile, notamment chez les personnes âgées en perte d'autonomie. En effet, lorsqu'un employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l'utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature et est donc soumise à cotisation et en conséquence considérée comme un revenu imposable pour le salarié. Cet amendement prévoit donc d'exclure des bases de cotisation de sécurité sociale et en conséquence de la base du revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d'aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d'utilisation professionnelle ou non. Cette mesure permettra d'améliorer le pouvoir d'achat de ces salariés qui sont en première ligne et d'augmenter grandement l'employabilité. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Monsieur Gage ou Monsieur Delaporte pour le 197. Oui, le 197. C'est un coup de pouce non négligeable que nous vous demandons. C'est pour alléger la fiscalité, pour inciter à investir dans les véhicules de nos intervenants à domicile. Aujourd'hui, on est face à un tournant. C'est la question du virage domiciliaire. Et pour le dire clairement, aujourd'hui, nos aides à domicile, elles sont à la peine parce qu'elles ne parviennent pas à financer leurs véhicules. Et donc, il s'agit ici... donc d'alléger cette fiscalité pour leur permettre d'effectuer leur tournée dans les meilleures conditions et que ça ne leur coûte pas. Moi, je rappellerai, je ne sais pas si Astrid Panosian est là, mais l'année dernière, on a accompagné tous les deux un conflit social avec François Ruffin aussi du groupe Domidom, qui est une filiale d'Orpea. Et c'était une grève de 45 jours. Et en fait, ces aides à domicile, elles se battaient notamment parce qu'elles payaient pour aller travailler. Elles payaient, mais elles payaient vraiment... très cher. Donc elles ont obtenu une revalorisation de leurs indemnités kilométriques, mais ce n'est pas suffisant. Et par exemple, les plaquettes de frein, il faut les changer tous les 6 mois, parce que c'est s'arrêter, recommencer. Donc il y a vraiment des frais qui sont importants. Donc c'est pourquoi, ici, il faudrait vraiment qu'on puisse accompagner ce tournant avec la mise à disposition par l'employeur, parce que c'est le rôle aussi de l'employeur de les accompagner, de véhicules pour qu'elles puissent faire leur tournée. Merci, Monsieur Delaporte. Monsieur Bazin, pour le 421. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, c'est un amendement important pour nous, parce qu'on voit bien que c'est un véritable levier, un levier pour l'employabilité des intervenants à domicile, quand ils n'ont pas de véhicule, un levier d'attractivité, avec un pouvoir d'achat amélioré, puisque sinon, c'est considéré comme du revenu imposable, et ça vient donc en déduction, un levier aussi de valorisation
de valorisation des métiers et les témoignages des salariés qui interviennent à domicile, quand on leur confie un véhicule, ils se sentent considérés, ils se sentent respectés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit coup de pouce qui ne vient pas déstabiliser les budgets de l'autonomie, mais qui est dans nos territoires où on a besoin de se déplacer, où c'est souvent des petits arrêts. Le fait qu'à un moment, en plus, quand la journée est très hachée, on doit intervenir tôt le matin, le midi, le soir, ça multiplie les petits trajets. Et d'ailleurs, la distinction entre trajet à des fins professionnelles et trajet à des fins personnelles est un peu compliquée quand on a des journées aussi hachées, avec des contraintes parfois familiales. Et je pense que cet amendement, s'il était adopté, irait vraiment dans le bon sens. Merci. Monsieur Christophe, pour le 953. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, Madame la Rapporteure Générale, vous allez nous dire que c'est une redite par rapport à l'an passé, puisqu'on était déjà venu sur ce sujet en discussion. Évidemment, c'est un mandat d'appel qui vise à sensibiliser sur l'attractivité des métiers, et en particulier celui qui génère des déplacements à domicile. Vous avez bien compris la difficulté aujourd'hui, la différence entre user d'un véhicule qu'on doit aller percevoir sur le lieu de travail ou pouvoir le conserver à domicile, et donc évidemment ne pas être assujetti à la fiscalité qui est associée. Et donc, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur les métiers, notamment d'aide à domicile, auxquels on est tous très sensibilisés, à avoir cette vision d'accompagnement finalement de la fiscalité générée par l'usage d'un véhicule à demeure. Je pense à toute sa place dans nos débats. Merci, Monsieur Christophe. Madame Gruet, pour le 1062. Merci. 1320, Monsieur Clouet, Madame Amiot. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues viennent de déployer déjà comme argument et qui sont tous aussi pertinents les uns que les autres, mais j'aimerais en rajouter en vous parlant un peu d'écologie. Parce que aujourd'hui, ne pas permettre de conserver ces véhicules, justement, ça signifie tout simplement de devoir faire des trajets inutiles pour aller jusqu'à l'entreprise, récupérer la voiture d'entreprise, et faire le même trajet le soir en ramenant la voiture et récupérer la sienne et revenir à la maison. Tout ça sont des trajets parfaitement inutiles, d'une part, et donc à la fois coûteux en carburant, mais aussi coûteux écologiquement. Et j'aimerais rappeler à toutes et tous ici que d'ici quelques années, et finalement dans très peu de temps, les véhicules en vente seront des véhicules électriques. Et là aussi, on sait que le prix de ces véhicules n'est pas encore celui des véhicules thermiques et que ça ne va pas être une facilité, ça ne va pas être quelque chose de facile en tout cas pour les aides à domicile de devenir propriétaire d'un véhicule électrique. Alors si on peut effectivement aider leurs entreprises à mettre à disposition des véhicules propres pour faire ces trajets nécessaires pour leur travail, alors je pense qu'il faut le faire. Merci, Madame la rapporteure, pour tous ces amendements identiques. Oui, merci. Monsieur Paul Christophe a dit que c'était un amendement d'appel sur l'attractivité des professionnels, et je le rejoins. C'est un sujet dont on sait tous l'importance sur nos territoires. Ce qui m'ennuie avec cette mesure, alors il y a deux choses. Il y a sur la forme, l'utilisation de véhicules terrestres motorisés englobe de la trottinette électrique au tracteur. Bon, c'est pas précis, aux machines agricoles, aux engins de chantier, même à des tondeuses autoportées. Ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, je vous rejoins sur l'intérêt de trouver des mesures efficaces pour enfin améliorer l'attractivité de ces métiers. Qui d'ailleurs, à mon sens, ne se limite pas que aux intervenants à domicile, si on pourrait pousser à d'autres professions. Ce qui m'ennuie vraiment pour donner un avis favorable, et je ne peux que donner un avis défavorable, on n'a qu'une notion de le coût et de l'efficacité de cette mesure. Et donc en tant que rapporteur de la sécurité sociale, sur une mesure qui éventuellement peut faire creuser la sécurité sociale d'un déficit important, je ne peux pas être favorable. Donc c'est un avis réellement défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Thierry Bazin. J'ai dit Thierry.
Monsieur Thibault Bazin. Ah, Madame Michèle Perron, présidente. Madame la rapporteure, vous êtes douée pour dire non, mais là, objectivement, le véhicule qui pourrait être un tracteur ou je ne sais pas quoi, objectivement, on imagine bien que le service autonomie ne va pas mettre à disposition un véhicule qui ne serait pas adapté, j'allais dire, en termes... voilà. Et d'ailleurs, les véhicules, et ça se développe de plus en plus, enfin, hein, je ne vais pas donner des noms de services à domicile dans nos territoires, notamment associatifs, et c'est vraiment quelque chose qui se déploie et de manière vraiment vertueuse. Sur la notion de coût et d'efficacité, bah, l'efficacité, tout de suite, c'est l'attractivité des métiers. C'est la fidélisation des métiers. Et là, pour le coup, l'objectif, il est rempli. On l'observe. Les gens se sentent positivement considérés. Et donc, l'évaluation est plutôt positive. Sur la question des budgets, les budgets des services autonomie, aujourd'hui, sont quand même mis en difficulté, puisque les compensations, la dotation qualité, il me reste encore 7 secondes. Non ? Bon, désolé. Vous avez dépassé de 7 secondes. Madame la rapporteure, vous vouliez... Vous m'avez dit ? Madame Vidal, alors, voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis complètement en phase intellectuellement avec cet amendement. Je l'avais déposé l'année dernière et pour les mêmes raisons que cette année, il n'avait pas pu avoir une issue favorable. Mais effectivement, c'est un vrai sujet d'attractivité. Et c'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi Bien vieillir, que nous réexaminerons la semaine du 20 novembre, à l'article 7, non pas peut-être, avec certitude, la ministre s'y est engagée la semaine dernière, ici même, dans cette proposition de loi, à l'article 7, il y a une aide prévue avec une enveloppe de la CNSA envers les départements pour accompagner tous les services à domicile qui font des aides à la mobilité, et c'est notamment le cas de services à domicile qui s'équipent pour leurs professionnels de flotte de véhicules électriques, enveloppe qui sera renouvelée tous les ans. Donc ce sera une manière de répondre aussi à cet enjeu que nous partageons tous. Merci Madame Hidal, Madame le rapporteur. Oui, répondre à Monsieur Bazin, vous dites que beaucoup d'entreprises, effectivement, j'en ai sur ma circonscription, qui ont des véhicules qui se prêtent, du coup je pousse au raisonnement un peu plus loin. Est-ce qu'il faut coûter encore plus à la sécurité sociale alors que ça peut se faire? D'autre part, je rappelle quand même qu'il existe des exonérations ciblées, qui sont d'ailleurs les plus élevées des exonérations ciblées pour les personnes liées à l'embauche de l'aide à domicile par les personnes âgées. Donc je reste sur mon avis défavorable tant que cette mesure n'est pas étudié en coût et en efficacité. Merci, Madame la rapporteure. Je vais donc procéder au vote de tous ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Merci. Je fais une pause de 5 minutes. Merci. Pardon ?
Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Merci à Madame Perron d'avoir assuré la présidence pour le début de la séance. Alors, il y a des demandes de prise de parole, Monsieur Monnet ? Très rapidement, je demande à ce qu'on fasse le vote de tout à l'heure. Parce qu'il s'est fait très rapidement, on n'a même pas eu le temps de compter et on est passé tout de suite en suspension de séance. Moi, je demande à ce que le vote soit refait. Vraiment, je pense qu'on est allé un petit peu vite pour voir le résultat du vote. Voilà. Non, on n'a pas... Oui, mais enfin, le résultat est annoncé, très sincèrement. J'ai des doutes sur le résultat. Donc, je le dis et je demande à ce qu'il soit refait. Il n'y en a pas pour longtemps. Oui. Bien, j'ai toute confiance dans le décompte qu'a pu faire Madame Perron. Donc nous reprenons nos travaux avec deux amendements identiques, le 149, Monsieur Gage. Moi, Madame la Présidente, si ça vous convient. Monsieur Delaporte. Oui. Donc cet amendement, il vise à moduler le taux des cotisations de la branche AT-MP en fonction de la survenance des pratiques pathogènes. Puisque vous savez qu'avec la flexibilisation, entre guillemets, du droit du travail, les horaires atypiques et la précarité se sont développés. Temps partiel, travail de soirée, bref, travail de nuit, nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé, travail nocturne découpé et régulier, qui a des conséquences de mieux en mieux documentées sur les individus. On apprend ainsi que les maladies cardiovasculaires sont favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos, ainsi que le diabète et l'obésité. Donc pour décourager les entreprises à adopter de telles pratiques qui sont pathogènes, cet amendement prévoit que le taux des cotisations à la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance de ces pratiques. Ça permettra peut-être de lutter contre les accidents professionnels et les maladies du travail qui sont tellement nombreux en France et pour lesquels il faut que nous agissions collectivement. Merci, Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. C'est effectivement un amendement identique pour décourager les entreprises à adopter des pratiques pathogènes. Parce qu'effectivement, cet amendement prévoit, et c'est important, que le taux de cotisation de la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance des pratiques, comme l'a expliqué mon collègue Delaporte. Et une liste sera dressée par les organismes compétents sur la base des études très fiables menées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou pour l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en qui nous pouvons avoir toute confiance. Merci, Madame la rapporteure. Oui, vous voulez moduler le taux des cotisations AT-MP en fonction de la survenance de pratiques pathogènes. On a eu le débat tout à l'heure, et pour les mêmes raisons, je reste défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour... qui est contre, ils sont rejetés. Amendement 1164, Monsieur Mathieu, qui le défend, Madame. Oui, Madame Hérodi, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Mercredi 11 octobre, un travailleur intérimaire de 35 ans est mort sur son lieu de travail à Paris lors de sa première journée de travail. Oui, sa première journée de travail. C'est la terrible réalité des intérimaires. Ils sont deux fois plus exposés aux accidents de travail que les salariés en CDI. Le bonus-malus instauré par le gouvernement sur les contrats courts est bien insuffisant. Il ne concerne que 18 000 entreprises sur plus de 8 millions que compte ce pays. De fait, pour renforcer la sécurité sanitaire des intérimaires, le groupe parlementaire La France Insoumise demande la prise en compte du taux de recours à l'intérim dans le calcul des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles AT-MP pour désinciter les entreprises à l'embauche en intérim. Maintenant que j'ai défendu mon amendement, je souhaite toutefois rappeler à tous mes collègues présents en commission que nos discussions sont tout simplement inutiles, puisque semblerait que le 49-3 devienne la règle dans notre Assemblée nationale. Cela laisse à penser que nos débats ne soient que distraction finalement. Merci. Madame la rapporteure. Merci. Je suis défavorable à votre amendement parce que ça voudrait dire qu'une entreprise qui est vertueuse et qui a recours de temps en temps à l'intérim quand c'est nécessaire serait pénalisée par rapport à une entreprise qui serait moins vertueuse et qui n'aurait pas recours à l'intérim. Donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Cato. Merci, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Effectivement, je ne doute pas de l'intérêt louable que vous avez eu quand vous avez déposé cet amendement, mais une question subsiste. Les petites entreprises qui, avant de se lancer dans
un contrat de plus longue durée, notamment un CDD ou un CDI, des fois doivent passer par l'intérim. Et en faisant ça, donc on parle de TPE, qui n'ont des fois pas l'argent pour embaucher des gens sur des CDD, des périodes plus longues ou des CDI, vont être pénalisés via votre dispositif. Et je trouve que c'est totalement injuste parce qu'on ne va pas favoriser l'emploi des petites entreprises. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement de Madame Amiot. Oui, merci Madame la Présidente. Dans la même veine, nous souhaitons augmenter les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises qui recourent à la sous-traitance. On sait que, justement, la sous-traitance permet aux entreprises souvent de se déresponsabiliser, quand bien même l'entreprise donneuse d'ordre est censée être responsable des salariés et des conditions de travail des salariés, y compris sous-traitants. Pour autant, dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, en prévention des risques psychosociaux, en prévention des maladies professionnelles et des accidents, et pour inciter ces entreprises à recourir au minimum à la sous-traitance, nous vous proposons d'augmenter donc les cotisations pour ces entreprises sur les accidents, les maladies professionnelles et les accidents de travail. Madame la rapporteure. Merci. C'est un avis défavorable. Au niveau national, en France, on est déjà en avant hein, par rapport aux mesures qui sont faites dans les autres pays européens. D'ailleurs, je vous invite à vous référer au rapport qui a été rédigé sur ce sujet par nos collègues Chéri Kirou et Mireille Clapeau au nom de la Commission des affaires européennes. On est en attente de mesures européennes. Donc, avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement suivant n'est pas défendu. Le 1146 de Madame Fiat. Merci. Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Plusieurs amendements en discussion commune. Le 957. N'est pas défendu. Le 1893, monsieur Monnet ou monsieur Daréville ? Oui, madame la présidente, c'est un amendement de notre collègue Giovanni William et je pense que celui de monsieur Maillot qui suit est identique. Donc je vais simplement dire qu'il s'agit de prendre en compte la situation particulière des entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. Madame la rapporteure ? C'est un avis défavorable. Merci. Notre série d'amendements identiques, pardon, qui étaient dans la même discussion commune. Le premier n'est pas défendu. Le deuxième, 1895 de monsieur William. Vous le redéfendez, enfin vous le défendez, monsieur Daréville ? Merci. Madame la rapporteure, même avis. Défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Pour la première série d'amendements identiques, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Pour la deuxième série d'amendements identiques, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Deux amendements identiques. Monsieur Mournet, il est là, allez-y, monsieur Mournet. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale. Je vous présente donc ces deux amendements, puisqu'il a été adopté ce matin à l'unanimité en commission des finances et que j'ai proposé en qualité de rapporteur spécial sur retraite et régimes sociaux de retraite, pension et régimes sociaux de retraite. Il concerne le régime des marins, les Nîmes. Alors je dis d'emblée qu'il s'agit nullement de remettre en question ce régime. Hein. Enfin, je veux dire, le débat a eu lieu pendant les retraites et il a été acté que ce régime spécial perdurerait compte tenu du niveau de sinistralité assez élevé, très élevé, côté des pêcheurs en particulier. Néanmoins, c'est un régime ancien, redoutablement complexe dans ses règles de fonctionnement et qui a des coûts de gestion élevés. Alors la Cour des comptes cette année a commis un rapport extrêmement documenté avec des propositions que j'ai travaillé au titre du rapport, discuté avec l'ENIM, discuté avec la direction des affaires maritimes. Et ce que je vous propose de reprendre ici, c'est un amendement qui simplifie
les catégories qui sont utilisées pour calculer la liquidation des retraites. 95% des pensions sont liquidées sur la base seulement de 5 catégories. Or, il en existe 20, dont certaines sont obsolètes. Donc, c'est un amendement de simplification et également d'efficience pour réduire les coûts de gestion, tant pour l'ENIM que pour l'État. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Favorable, puisqu'il y a eu un avis favorable ce matin en commission des finances pour avis. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement de Monsieur Tête. Défendre. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le pouvoir d'achat est l'une des préoccupations majeures des Français. S'il vous plaît. Cet amendement propose d'offrir aux indépendants la possibilité de se verser une prime défiscalisée qui serait versée une fois par an, plafonnée à 5 000 euros sur le modèle que la loi du 16 août 22 a instauré pour les salariés, la prime de partage de la valeur, dans la mesure où les indépendants ne bénéficient ni d'intéressement, ni de participation, ni de 13e mois. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement de Monsieur Mandon. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à proposer un soutien à l'embauche d'élus locaux par une réduction de cotisation patronale en s'inspirant de ce que nous avons fait ce printemps à l'initiative du gouvernement en faveur des sapeurs-pompiers volontaires dans le texte visant à lutter contre le risque incendie. Il pourrait être tout aussi incitatif de prévoir cela par analogie aux employeurs de salariés et d'élus locaux. Il y a là un vrai sujet, je crois qu'on peut le dire, car malgré les autorisations d'absence non rémunérées ou les crédits d'heures insuffisamment mis en œuvre, nous savons qu'il est difficile de concilier exercice d'un mandat et activité professionnelle. Nombre d'employeurs sont souvent sur la réserve face à des salariés qui assument un mandat d'élu. Je pense ici en particulier aux très nombreux conseillers municipaux de notre pays, engagés au service de l'intérêt général de leurs concitoyens, en particulier dans nos communes rurales, et qui mériteraient amplement cette reconnaissance. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Je partage complètement l'objectif de votre amendement, parce que s'engager pour un mandat local est un choix parfois difficile, qui est très engageant, qui est pour lequel nos concitoyens s'éloignent malgré tout. Quand votre amendement a deux problèmes. Un problème de forme, il ne tourne pas, mais surtout, il y aurait dans ce mécanisme un effet d'aubaine très important et donc une inefficacité au final de ces exonérations. Donc, je crois que c'est un sujet peut-être qu'il faut poursuivre, enfin continuer à travailler, parce que l'objectif est bon, il me semble. Mais un avis défavorable. Merci. Vous le maintenez, Monsieur Mandon ? Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 1743, Monsieur Benz. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale. Merci de me donner la chance de pouvoir défendre le seul de mes amendements qui, pour l'instant, est recevable. Un amendement très simple, Madame la rapporteure générale, pour développer le sport en entreprise. De nombreux rapports nous incitent à développer la pratique sportive au travail. C'est évidemment un enjeu de santé publique et un enjeu qui permet de contribuer à répondre à la stagnation de l'espérance de vie. Voilà, étant donné que c'est mon seul amendement et que c'est un amendement sportif, sain, je sollicite de votre part, Madame la rapporteure générale, une bienveillance et peut-être, sait-on jamais, un avis de sagesse. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Non, moi, je ne suis pas très sage, mais votre amendement est en partie satisfait, puisque quand une entreprise met à disposition une salle de sport, elle a déjà des exonérations. Je ne crois pas qu'il faille changer ce taux, donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour,
qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 979, Mme Gruet. Merci Madame la Présidente. Dans un rapport publié en septembre 21, la Cour des comptes estimait à 11,9 milliards d'euros par an le coût des arrêts maladie dans la fonction publique. Cette forte tendance à la hausse, pour enrayer cette forte tendance à la hausse, cet amendement propose d'inciter les employeurs territoriaux à lutter activement contre l'absentéisme en leur donnant la possibilité d'une exonération d'une part de leurs cotisations sociales s'ils mènent des investissements leur permettant de présenter un taux d'absentéisme en dessous d'un seuil déterminé par décret. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. C'est un avis défavorable. Je ne crois pas que les exonérations pourront permettre de lutter contre l'absentéisme, même si lutter contre l'absentéisme des agents de la fonction publique est important. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 1159 de Monsieur Mathieu, qu'il défend Madame Amiot. Oui, merci Madame la Présidente. Justement, pour parler de lutte contre l'absentéisme, je vous propose cet amendement qui propose d'instaurer une expérimentation avec un objectif de 32 heures. En gros, l'idée, c'est de passer aux 32 heures, payer 35, avec une exonération des cotisations pour les heures manquantes, les 3 heures manquantes. C'est un test que nous vous proposons, une expérimentation. S'il vous plaît, je vais vous donner du temps, Madame Amiot. Mais s'il vous plaît, on n'entend plus du tout l'orateur. Il y a un bruit de fond très important. Donc c'est compliqué pour l'orateur. Allez-y, Madame Amiot. Je vous remercie, Madame la Présidente. En l'occurrence, ce ne sont pas des odieux gauchistes qui ont déjà commencé à tester ce dispositif, puisque vous trouverez notamment dans le magazine Challenge, qui a plusieurs fois écrit à ce sujet, mais ce sont des TPE, des PME et des grosses entreprises comme Bosch, Pimpon, Mozu ou des entreprises du BTP qui se sont essayées à la semaine de 32 heures et qui ont remarqué globalement effectivement, une baisse du taux d'absentéisme, une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle, une meilleure santé de leurs salariés parce que plus de temps pour pratiquer une activité sportive régulière, en gros, et évidemment une dimension qui est peu quantifiable, mais du bonheur au travail. Et aujourd'hui, dans la crise de sens que nos salariés traversent partout en France et donc les difficultés de recrutement que nous pouvons connaître dans bien des branches, c'est une option qu'il faut peut-être explorer. Donc je vous invite à voter cette expérimentation et à voir ce que ça donne. Merci, Madame la rapporteure. C'est un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 672 n'est pas défendu. Et nous démarrons l'examen de l'article 11 avec deux amendements en discussion commune. Monsieur Berta n'est pas là. Madame Colombier qui défend l'amendement 1883. Merci. Madame la rapporteure, s'il vous plaît. Défavorable. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 2119 de Monsieur Maudet. Merci. Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 2508 de Monsieur Mathieu. Merci, Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement de Monsieur Christophe. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, je souhaite revenir sur la contribution M qu'on a déjà évoquée en début de discussion sous le PLFSS, pour rappeler que le PLFSS de 2023 donc, dispose que les médicaments acquis par l'Agence nationale de santé publique, l'ANSP, sont intégrés à compter de l'année 2024 dans l'assiette de la contribution M initialement prévue en 2023, en rappelant que l'entrée en vigueur de cette mesure a été repoussée d'un an compte tenu de l'imprévisibilité de la dépense considérée pour l'année 2023, année de sortie de crise sanitaire. Or, il ne vous a pas échappé que les dépenses de réponse aux crises sanitaires que constituent les achats de médicaments par l'ANSP ne peuvent légitimement être soumises
à la clause de sauvegarde, dont l'exposé des motifs de l'article 11 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale rappelle l'objectif de réguler les dépenses de produits de santé en responsabilisant collectivement les entreprises du secteur sous le montant des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Donc il paraît incongru d'inclure les dépenses relatives à la NSP. C'est ce que prévoit cet amendement, Présidente. Merci. Madame la rapporteure. Oui, merci. Je dois saluer votre cohérence et constance. Monsieur Paul Christophe, ça sera un avis défavorable, mais je vous fais remarquer, pour aller dans votre sens, que cette année, en 2024, les traitements du Covid seront exclus de l'assiette de la clause pour 2024. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Deux amendements identiques, le 1576 de Monsieur Frappé. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, chers collègues. Anciennement exclus de la clause de sauvegarde, les médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires sont par essence porteurs d'économies pour les comptes publics. Environ 2 milliards d'économies annuellement. Mais ce ne sont pas des spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique. La clause de sauvegarde qui leur est maintenant appliquée fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d'approvisionnement pour les patients français. Certes, il y a bien un plafonnement prévu de cette clause pour les entreprises, pour ces entreprises du médicament générique, mais il sera exceptionnel, temporaire et est déjà considéré comme insuffisant. L'exemption de la clause de sauvegarde constitue donc une urgence économique, fiscale et industrielle pour ces laboratoires qui commercialisent des médicaments matures à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire. Je vous remercie. Merci, Madame Mélin. Merci, Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Le 402 de Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un peu étonnant, mais parce qu'en fait, on s'attelle à des alinéas différents, mais en fait, c'est un peu une grande discussion commune sur le même sujet que Paul Christophe et que Madame Mélin. C'est le sujet du périmètre de la clause de sauvegarde. Et d'une certaine manière, l'intégration des médicaments financés par Santé publique France. Alors, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où ces produits ne sont ni régulés ni compris dans les dépenses d'assurance maladie, c'est profondément injuste de faire venir gonfler l'assiette de la clause de sauvegarde de manière arbitraire. Donc nous proposons de les enlever. Alors vous nous dites, oui, mais rassurez-vous, on a, pour 2024, toutes les dépenses liées à la Covid ne seront pas intégrées. Ce n'est pas exactement comme ça. Si on lit l'alinéa 44 qu'on vous propose de modifier, on est dans le traitement de la maladie à Covid-19. C'est un peu subtil, mais en fait, ce n'est pas le périmètre total des mesures qui sont demandées à Santé publique France, enfin à l'Agence nationale de santé publique. Et il me semble qu'il serait judicieux, Madame la rapporteure, si vous partagez ce qu'on porte avec notamment Paul Christophe, c'est de l'enlever de la clause de sauvegarde et de corriger ce qui est prévu pour 2024. Parce que, objectivement, le périmètre n'est pas suffisant. Merci, Madame la rapporteure. Je voudrais redire que Santé publique France n'a pas ou peu d'investissements pour 2024, et comme beaucoup d'amendements qui vont arriver sur le médicament, vous savez que suite au rapport qu'on avait proposé l'année dernière, vous savez qu'il y a des modifications sur la clause de sauvegarde. On en a parlé hier déjà, et qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Donc j'aurai un avis défavorable. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente de me redonner la parole. Madame la rapporteure, on est sur des hypothèses prévisionnelles à l'époque du budget. Je me rappelle des PLFSS où on faisait l'hypothèse qu'il n'y aurait plus la Covid et qu'il n'y aurait pas de nouvelle vague. Qui est capable de dire quels seront les stocks stratégiques demandés à Santé publique France tout au long de l'année 2024? Moi, je suis bien incapable de le dire. Qu'aujourd'hui, les prévisions, et je pense que vous avez raison, aujourd'hui, les prévisions telles qu'elles sont,
on n'a pas d'investissement important demandé à Santé publique France. Mais le risque zéro n'existe pas. Et que si au cours de l'année, effectivement, la Covid-24 ou je ne sais pas quel sujet, on demandait à Santé publique France des investissements, il ne faudrait pas que ça vienne les pénaliser dans le calcul de la clause de sauvegarde. Madame la rapporteure. Oui, pour vous répondre, Monsieur Bazin, en 2023, on avait prévu 900 millions et on a dépensé 900 millions. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. En discussion commune, amendement 403, Monsieur Bazin. Oui, on est toujours sur le médicament. On commence, j'allais dire, sur le médicament. Et cet amendement 403 vous propose de préserver la progressivité par tranche de la contribution des entreprises du médicament à la clause de sauvegarde. Et c'est vrai que c'est un sujet sur cet article 11, puisque vous proposez de supprimer, alors, à partir du 1er janvier 2026, ce caractère progressif. Je ne pense pas, puisque comme la, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel l'avait précisé, la clause de sauvegarde, elle s'apparente à un impôt. Et donc, si la contribution qui lui est associée en cas de dépassement du montant M se calcule en fonction de tranches progressives, on a un niveau de dépassement entre 50% et 70%. Moi, je pense que ça viendrait renforcer encore le caractère pénalisant de la clause de sauvegarde à un moment où on souhaite justement redonner des marges de manœuvre, d'avoir un pacte gagnant-gagnant pour la souveraineté sanitaire, de reproduire les médicaments en France, de donner accès à nos malades aux traitements innovants, d'avoir accès aux traitements précoces. On a participé, un certain nombre d'entre vous, à un certain nombre de réunions où on voit bien que ça a quand même un enjeu sur la recherche et qu'il faut qu'on crée un modèle qui soit incitatif et gagnant-gagnant. Et là, pour le coup, je ne pense pas que ça soit opportun de maintenir l'alinéa en question tel que vous l'imaginez. Monsieur Christophe. Oui, merci, Présidente. Effectivement, c'est un amendement qui vise à assurer la cohérence des périmètres dans le calcul de la croissance d'entreprise pour la répartition de la contribution M pour 2024. On aura l'occasion de revenir donc sur le rôle de l'Agence donc, nationale de santé publique et notamment donc, sur finalement, ces dépenses qui se trouvent être imposées et qui ne peuvent pas accuser le laboratoire de ne pas la maîtriser. Vous parliez tout à l'heure du Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Hein. Je pense qu'on peut parler du HPV, on peut parler du Befortus. Voilà, ce sont un ensemble de dépenses finalement qui sont imposées et on comprend qu'il y a une difficulté à justifier d'une politique de régulation à travers ça. Donc d'où effectivement ma constance sur le sujet. Madame la rapporteure. Merci. Vous savez que suite au rapport que nous avions demandé l'année dernière, qui a été remis à Premier ministre, il y a eu des discussions. Cette mesure de modification des paramètres de la clause de sauvegarde, elle se fait à rendement constant et plutôt une mesure de simplification. Donc, je donnerai un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure pour le 403, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 2159, même avis, même vote. Merci. Deux amendements identiques maintenant. Le 1300. Ah ben non, il n'est pas là. Le 1863, Monsieur Neder. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, il s'agit effectivement, dans le cadre de cet amendement, de reparler effectivement et de sécuriser l'approvisionnement des médicaments et d'assurer la souveraineté en matière de production de nos médicaments. Et donc cet amendement vise à tenir compte dans les critères du lieu de production de ces médicaments concernés en créant une troisième tranche. Ça permettrait également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d'autorisation de la mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicaments. Merci, Madame la rapporteure. Je reste sur l'idée de garder cet équilibre, donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 311, Monsieur Delaporte, vous le défendez ? Prenez le micro. Oui, pardon, Madame la Présidente, excusez-moi. Cet amendement des députés socialistes, il vise à supprimer le plafonnement du montant dû par une entreprise au titre de la clause M
du médicament à maximum 12% du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite. Ce plafond ne nous semble pas pertinent, eu égard d'une part à la concentration du secteur et d'autre part aux super-profits réalisés par les entreprises du médicament. À titre d'exemple, au premier trimestre 2022, Pfizer a enregistré un chiffre d'affaires de 27,5 milliards de dollars, soit une hausse de 77% en un an. Il y avait un contexte particulier. Au premier trimestre 2020, Sanofi avait publié un résultat net d'activité en hausse de 15,9% par rapport à la même période de l'année précédente, soit 2 milliards d'euros. Il convient donc de ne pas se fixer une règle aussi arbitraire qui priverait la sécurité sociale de ressources précieuses. Madame la rapporteure. Merci. Monsieur Delaporte, il a été jugé inconstitutionnel de supprimer le plafond, puisque la clause de sauvegarde, elle peut exister en tant que telle s'il existe le plafond. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur Delaporte. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez, Madame la rapporteure, qu'il y a quand même des super profits indécents ? Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 401 de Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Le calcul de la clause de sauvegarde, il repose sur un chiffre d'affaires net. Et il conviendrait donc, par cohérence, que ce plafond soit pérennisé sur du chiffre d'affaires net, c'est-à-dire minoré des remises, comme c'était le cas d'ailleurs en 2023, et non d'un chiffre d'affaires brut. C'est l'objet du présent amendement. Madame la rapporteure. Non, alors, c'est un avis défavorable parce que justement, on change dans le cadre de cette évolution. On passe du chiffre d'affaires à maintenant, dorénavant en montant remboursé. Donc je comprends du coup pas le sens de votre amendement. Enfin, il n'a plus de sens cet amendement à mon avis. Donc avis défavorable. Monsieur Bazin. Je comprends votre argument, mais en fait, le montant remboursé, qu'est-ce que vous ferez des déductions, des remises ou pas ? Parce que j'ai bien compris qu'on avait une inversion. Avant, on partait du chiffre d'affaires, maintenant, on parle du montant remboursé. Très bien. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous faites des remises ou pas ? Vous les déduisez ou pas ? C'est la grande question. Parce que le montant remboursé, net ou pas net ? Maintenant, mais parce que derrière, ça a des conséquences. Pour le coup, dans ce qui est vrai. Et on a mené des auditions, d'ailleurs, vous aussi, et c'est un vrai sujet, demandé par le secteur, clarifiant cette question. Madame la rapporteure. Pardon, merci, Madame la Présidente. Je vous propose de retirer votre amendement et qu'on puisse regarder d'ici la séance. Monsieur Bazin. Je vais retirer et on dit... Et on en discutera. Il est donc retiré. 49.3. Merci. Le 2160, Monsieur Christophe. Oui, merci, Madame la Présidente. Toujours un peu au sujet de calme, de la clause S'il vous plaît. Puisque le présent amendement prévoit la mise à disposition, je ne vous demande pas de dépenser de l'argent, la mise à disposition des entreprises et de leurs syndicats représentatifs des données permettant de leur conférer de la visibilité sur le montant futur de la contribution M et donc d'assurer de manière transparente et partagée le contrôle éventuel des données. D'ailleurs, ça ne devrait pas vous choquer puisque c'est dans le respect des objectifs de lisibilité et de prévisibilité énoncés par l'exposé des motifs de l'article 11 en lui-même. Madame la rapporteure. En lisant une première fois, j'étais plutôt favorable, mais en fait non, parce que ce qu'on vise dans la modification, c'est de simplifier. Et là, on va horriblement rigidifier, c'est trimestriel. Et donc, on va à l'inverse de notre objectif. Donc, c'est un avis défavorable. Monsieur Christophe. Excusez-moi, Madame la rapporteure, mais je ne vois pas comment on peut complexifier en communiquant simplement des données. Donc, là, du coup, ce n'est pas clair. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, s'il vous plaît. De même, la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Plusieurs amendements identiques. Monsieur Neuder.
Défendu. Merci, Monsieur Bazin. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement 392, finalement, permet d'harmoniser encore davantage le fonctionnement des clauses de sauvegarde qui est applicable aux dispositifs médicaux, puisque vous voulez l'harmoniser aux médicaments, afin d'apporter de la lisibilité et de la cohérence. Mais si on veut vraiment aller au bout, il faudrait aligner aussi les taux de reversement des clauses applicables au secteur. Et donc, il faudrait prévoir que le montant total de la contribution en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde du dispositif médical soit aussi égal à 90% de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant Z, sur le même modèle dont on vient de discuter d'ailleurs pour l'évolution introduite par cet article pour la clause de sauvegarde médicaments. Madame Corneloup. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise aussi à revoir le mécanisme de régulation. Actuellement, ce mécanisme repose sur un taux unique de 100%, un taux qui ne tient pas compte des évolutions dans les besoins de santé, liés notamment à des changements organisationnels, comme par exemple le virage ambulatoire, qui ne tient pas compte non plus des évolutions tarifaires dans le cadre de l'augmentation des pathologies chroniques et des avancées technologiques, comme de nouvelles prises en charge au sein du système de santé. Il est donc, me semble-t-il, essentiel d'apporter des ajustements à ce mécanisme, et cet amendement propose de fixer le montant total de la contribution en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux à 90% de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant Z, au lieu de 100% aujourd'hui. Merci. Le 975 n'est pas défendu. Le 2696, Monsieur Valtou. Merci, Madame la rapporteure. Oui, c'est un avis défavorable, mais pour répondre à Monsieur Bazin, il ne s'agit pas d'harmoniser les taux, il s'agit, puisqu'on reste à taux constant dans la clause de sauvegarde du médicament. C'est le rendement constant de la contribution sur les médicaments qui est harmonisé. Je suis désolée, on est dans des mesures hyper techniques. Mais c'est l'harmonisation qui est recherchée. On bouge l'assiette, mais comme on veut être à rendement constant, le taux bouge, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut bouger celui des dispositifs médicaux. Il n'y a pas ce besoin-là. Monsieur Bazin. Mais justement, Madame la rapporteure, on a un sujet sur les dispositifs médicaux. C'est pas anodin si on vous propose cet amendement. C'est justement que ça permettrait de mieux soutenir le secteur des dispositifs médicaux. Et qu'on ne peut pas parler d'un virage domiciliaire si on n'accompagne pas aussi ceux qui vont apporter ces dispositifs médicaux en proximité. Et donc, on a un vrai enjeu là-dessus. Alors bien sûr, dans le secteur, c'est un peu comme dans tous les secteurs, il faut pouvoir regarder de plus près. Mais je le dis ça devant mes collègues qui me regardent. Mais je crois aujourd'hui, et on a des alertes sur un certain nombre de rabots qui ont pu être faits budgétairement sur les dispositifs médicaux. Et derrière, on en sent les conséquences au niveau des personnes qui en ont besoin. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Trois amendements identiques, Monsieur Neuder. Défendu. Merci, Madame Corneloup. Merci, Monsieur Valtou. Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Trois amendements identiques également. Monsieur Neuder. Défendu. Madame Corneloup. Cet amendement a pour but de transmettre dans un délai de 3 mois au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de ce dépassement lorsque le dépassement du montant Z est constaté, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui permette d'apprécier les causes de ces dépassements. Monsieur Valtou. Madame la rapporteure. Merci. Il est quasi satisfait, donc c'est un avis défavorable, même si je comprends l'objectif que vous poursuivez à travers cet amendement. Je crois que cette question, elle est plutôt à relever dans les annexes du PLFSS.
Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Le 2158, Monsieur Christophe. Oui, bah c'est le dernier. Hein. C'est juste pour rappeler que finalement, on a bien compris que vous n'avez pas de marge de négociation, Mme la rapporteure générale, et puis qu'il faut atterrir sur un chiffre de 900 millions. Voilà, mais c'est comme attirer l'attention sur le fait qu'il y a comme une asymétrie dans le mode de calcul aujourd'hui qui pourrait être préjudiciable quand même aux entreprises françaises. Et je pense que c'est notre rôle quand même d'alerter, au-delà des petits messages qu'on vous a passés sur la NSP et sur le fait quand même qu'un taux de 90%, comme vous voyez tout à l'heure, c'est quand même limite confiscatoire. Je pense qu'on s'accordera là-dessus. Madame la rapporteure. C'est défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Plusieurs amendements en discussion commune. 1797, Madame Mélan. Merci Madame la Présidente. Oui, la mission Borne a eu le mérite encore une heure de calme. Allez-y Madame Mélan. De relever les effets délétères de la clause de sauvegarde sur l'outil industriel. Notant d'ailleurs au passage que la clause de sauvegarde apparaît plus comme une sanction financière collective que comme un système de régulation. Le décalage entre les besoins de santé et les montants M et Z sont devenus destructeurs. La valeur M pour l'an dernier était gravement sous-évaluée. Dans l'amendement de l'article 4, nous avons proposé un chiffre plus conforme à la réalité. Nous lui appliquons ici l'augmentation annuelle de 4,5 promise par le gouvernement aux industriels, de même pour le montant Z, car nous devons absolument préserver notre outil industriel, car de lui dépend notre souveraineté sanitaire. À défaut de supprimer cette clause de sauvegarde, qui serait un vrai progrès, donnons enfin aux industries un chiffre plus conforme à la réalité de la demande de soins en France. Le 2520, qu'il défend ? Madame Fiat, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Donc mes chers collègues, comme je vous l'ai expliqué ce matin par rapport à la générosité de nos amis milliardaires, là je vais vous proposer une modeste contribution à nos amis laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que si on leur demande pareil, gentiment, ils en ont envie. Et donc je vous invite à voter cet amendement, parce qu'en attendant le pôle public du médicament et en ayant vu les amendements de mes amis républicains, qui viennent de précéder, et je sens qu'ils ont envie d'un pôle public du médicament, et la prochaine fois qu'on le proposera, je sens qu'ils vont le voter, on vous propose cet outil utile qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique, et je vous invite donc à le voter. Merci. Monsieur Neudert. Défendu. Merci. Monsieur Bazin. C'est une petite modification budgétaire, comme on est en train de voir le budget de la Sécurité sociale, juste de porter à 2,45 milliards au lieu de 2,35 milliards le montant Z, qui correspond en fait à une hausse de 4,5%. Bah, c'est un peu ce qu'on vit au niveau de l'inflation et des différents éléments. Et d'une certaine manière, ça permettrait de prendre en compte les éléments conjoncturels et la situation économique complexe. Sinon, on risque vraiment d'avoir une situation insoutenable pour un certain nombre d'entreprises. Et je précise, Madame la Présidente, que le rapport charges et produits de la CNAM publié en juillet 2023 montre qu'il n'y a pas eu de dérapage des dépenses sur ce secteur des dispositifs médicaux. Je pense que ça valait le coup de le dire. Ce n'est pas le cas de tous les postes. Merci, Madame la rapporteure, sur ces amendements. Alors, concernant les deux premiers amendements, on voit bien qu'on est à peu près dans un équilibre, puisque d'un côté, on nous demande de monter le prix, d'un autre côté, de le baisser. Sur les dispositifs, on est déjà en augmentation cette année, donc avis défavorable. Alors, je mets aux voix l'amendement 1797, qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 2520, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Les amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour l'article 11 ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous poursuivons avec en discussion commune plusieurs amendements. Le premier n'est pas défendu. Madame Mélan. Il s'agit pour nous de revenir sur une disposition de l'an dernier qui avait été prise en décembre 22 dans le financement de la Sécurité sociale pour 23, qui était de revenir sur la révision annuelle des droits d'accise sur les produits du tabac,
en vigueur avant cette décision, à savoir une révision plafonnée à 1,8. La Première ministre avait annoncé début septembre qu'aucune hausse de la fiscalité tabac n'interviendrait en 2024. Ceci est inexact. La précédente loi avait donc mis en place un déplafonnement indexé sur l'inflation, d'où une augmentation en moyenne en 2023 de 70 centimes du paquet, à laquelle devait s'ajouter 40 à 60 centimes en 2024. Il était pourtant indispensable de repenser l'utilisation de la pression fiscale comme principal outil de lutte contre le tabagisme. La suite a prouvé que la contrefaçon a flambé, avec la création en particulier de 5 usines découvertes récemment dans notre pays et un véritable marché parallèle. Merci de pouvoir, envisager positivement cet amendement. Madame Fiat. Oui, on avait eu la discussion effectivement l'année dernière avec la preuve pendant l'année 2020 et la crise Covid et le confinement où les frontières étaient fermées, que bizarrement tous les fumeurs qui avaient arrêté de fumer avaient repris en retournant chez les buralistes parce que les frontières étaient fermées. Et donc c'était bien la preuve que le paquet de cigarettes à 10 euros n'avait pas fait arrêter les fumeurs de fumer, mais avait fait que les fumeurs allaient acheter leurs cigarettes ailleurs que dans notre pays. Et là, on se rend compte, et là, c'est vraiment dangereux, qu'il y a des usines parallèles qui fabriquent du tabac vraiment, vraiment dangereux et toxique, et que ceux-là vendent à la sauvette et vendent aux mineurs, ce qui est d'autant plus dangereux. Et donc, continuer à augmenter le prix du tabac ne protège pas la santé de nos concitoyens, parce que ils achètent soit la sauvette, et là c'est vraiment des produits très 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 dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cigarettes, ou soit au mieux, je vais dire entre guillemets, ils vont en dehors de nos frontières. Nous en Meurthe-et-Moselle, on sait très bien qu'ils vont au Luxembourg acheter à des prix moindres. Donc soit on arrive à travailler avec l'Europe et mettre des prix est vraiment exorbitant, par exemple 20 euros partout en Europe le paquet de cigarettes, et là on fait une politique vraiment pour que les gens arrêtent de fumer. C'est ce que j'avais expliqué quand on avait fait le paquet à 10 euros et j'avais discuté avec Madame Buzyn là-dessus. Soit on continue à faire n'importe quoi. 5 usines de contrefaçon et de contrebande de tabac rien que cette année. Monsieur Darmanin est allé en visiter une et pour nous montrer le démantèlement d'une de ces usines. On met vraiment en danger. Et les vendeurs à la sauvette, je vous prie de croire qu'ils ne demandent pas une carte d'identité pour savoir si la personne est mineure ou majeure pour vendre ses cigarettes de contrebande. Madame Mélin. Madame Mélin. Le 1794. Il s'agit d'un amendement de repli qui, bien entendu, fait suite au précédent. Il s'agit ici non plus d'abroger les dispositions de 2023, mais de simplement caper à 1,8% la révision annuelle des accises du tabac, sans avoir d'incidence sur la création de la catégorie tabac à chauffer et les calendriers de la convergence du tabac à rouler. Évidemment, ce que Mme Fiat a dit est en redondance avec les circonstances de développement du tabagisme dans notre pays. La fiscalité et les comportements, sur les comportements n'a absolument pas fonctionné. Madame la rapporteure. Oui, merci. Alors, nous avons voté l'année dernière en commandant cette commission ces mesures. Donc, c'est un avis défavorable quant à la suppression. Pour répondre à Madame Fiat, d'un côté, nous avons adopté cette mesure pour des enjeux de santé publique. Et de l'autre, on lutte contre la fraude. Et les chiffres nous montrent qu'en un an, on a fait plus 61% de récupération en tonnes de tabac. Ça correspond à 649 tonnes de tabac récupérées. Donc les deux vont ensemble. D'un côté, l'enjeu de santé publique. De l'autre côté, la lutte contre la fraude. Alors, je prends un pour, un contre. Donc un pour, les amendements. Madame Fiat. Si on en est à avoir autant de démantèlement, autant de vendeurs à la sauvette, c'est bien que il y a des entreprises... Enfin, ça rapporte. Et on en aura de plus en plus. Donc évidemment, chaque année, vous allez me dire « Oh, cette année, on a eu encore plus
de démantèlement, parce qu'évidemment, plus le prix va augmenter, plus les vendeurs à la sauvette vont avoir à y gagner de monter leur usine, de fabriquer leur propre usine à tabac. Donc, votre argument n'est pas... Vraiment, c'est la santé publique. Alors, évidemment, je vais vous dire que ce serait mieux de trouver une solution pour que tout le monde arrête de fumer. Je vous en avais donné une. C'était que tout le monde en Europe ait le même prix exorbitant et une vraie politique de santé publique. Mais là, quand on habite comme chez nous, en Lorraine, c'est facile d'aller au Luxembourg, mais dans d'autres départements, il y a des pays frontaliers où c'est aussi simple, mais là, il y a un vrai danger par rapport à ces usines qui commencent à pousser de partout. Cette année, c'était 5. L'année prochaine, vous allez me dire, on en a démantelé 10. Mais forcément, en augmentant, ça va pousser comme des champignons. Monsieur Delaporte. Oui, merci. Ça sera évidemment un vote contre l'ensemble de ces amendements. Aujourd'hui, c'est 13% des décès en France qui sont attribués au tabac. C'est 200 décès par jour. Et toutes les études montrent qu'il y a une corrélation directe entre le niveau des prix et le niveau de consommation du tabac. Si on regarde n'importe quel graphique, il y a vraiment une courbe symétrique entre et des courbes qui se croisent avec l'évolution des prix. Et il faut que cette évolution elle soit constante et renforcée. Ce que vous pointez, Madame Fiat, c'est en effet la nécessité d'harmoniser les politiques européennes sur les politiques françaises de prévention du tabac. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit abandonner notre politique de santé publique parce que notre politique de santé publique, elle fonctionne. C'est juste les autres pays européens qui doivent emprunter cette voie pour qu'on puisse éviter d'avoir ces effets frontaliers que vous soulignez, qui peuvent avoir ponctuellement et dans les départements frontaliers des effets majeurs, mais pas dans le Calvados, par exemple. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour. Ah, pardon, je vais un peu vite. Alors, le 179, le 1793 et le 2526. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Ensuite, il reste le 1794. Qui est pour ? Qui est contre, ils sont rejetés. Le 2780, Monsieur Isaac Sibyl. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Donc ça, c'est un amendement que je vous propose, qui est issu effectivement des travaux de la Commission lors de son printemps d'évaluation, avec le rapport qui a été approuvé par notre Commission. C'est pour revenir effectivement par rapport à la fiscalité sur l'alcool. Quelques chiffres, la France est le quatrième pays pour sa consommation d'alcool par personne dans l'OCDE. Ça représente 41 000 décès par an. Il constitue avec le tabac un des principaux facteurs responsables de la perte d'années de vie en bonne santé, plus ou moins directement ou indirectement responsable de plus de 60 maladies. Le rendement de la taxe, les taxes sur les alcools, c'est 4 milliards. Le coût annuel pour l'assurance maladie est de 8 milliards. Sans compter le coût social, estimé à 102 milliards. Je vous rappelle que dans cette commission, on parle souvent des violences familiales, des violences faites aux femmes, des arrêts de travail, des accidents de travail, des accidents de la route. Actuellement, les assises sont plafonnées et sont sur N-2, sont calculées sur N-2 par rapport à l'inflation. Cet amendement vous propose de déplafonner l'augmentation annuelle pour éviter un décrochage des prix, prendre en compte l'inflation N-1, comme nous l'avons fait l'année dernière concernant le tabac dont nous venons de parler. Pour le vin, il faut savoir ce que ça représente. Pour le vin, c'est 3 centimes. On augmenterait de 3 millièmes de centimes. Donc c'est rien du tout, mais ça permettrait de suivre l'inflation. Compte tenu de la structure actuelle des assises, qui frappe surtout les alcools forts, cette mesure aurait toutefois un effet minime sur les produits et les vins consommés en France, dont le taux de fiscalité, comme je vous rappelais, est extrêmement bas. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. On sait que les arbitrages ont été négatifs par rapport à cette taxation. On sait que c'est dans les projets du gouvernement. Donc je vous propose d'adopter... Madame la rapporteure. Défavorable. Je prends un pour, un contre.
Donc, monsieur Laporte a demandé la parole pour un pour. Allez-y. Merci, madame la présidente. Permettez-moi de remercier monsieur Isaac Civil pour tout le travail qu'il a mené donc, dans le cadre du printemps de l'évaluation. Et finalement, l'amendement qui est là, c'est un amendement qui est fondé sur des données scientifiques, qui est fondé sur des chiffres précis et sur l'idée qu'on a besoin d'avoir une fiscalité comportementale sur l'alcool en particulier. On sait que la taxation des alcools est trop faible, alors que si on remarque par exemple la hausse des taxes sur les bières en 2013, c'est M. Isaac Civil qui le dit, elle a diminué de 3% les ventes de la distribution et de 8% dans les débits de boissons, ce qui est bien la preuve qu'il y a un lien. Or, c'est rappelé dans l'exposé des motifs, 41 000 décès qui étaient en 2015 attribuables à l'alcool, 30 000 décès chez les hommes et 11 000 décès chez les femmes, incluant 16 000 décès par cancer. Donc vous voyez, l'alcool tue et il faut qu'on agisse fortement. Permettez-moi de dire une dernière chose. Moi, je m'inquiète de la baisse de 12% des subventions, enfin de la dotation de Santé publique France. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai appris ça cet après-midi. Il faut absolument se mobiliser contre ça. Madame la rapporteure. Encore défavorable. Oui, pardon. On se fatigue aussi. Un avis contre M. Bazin ? Oui. Je suis. Oui, sinon je n'abuserai pas de votre confiance, Madame la Présidente. Moi, je suis défavorable à ces amendements. C'est vrai, il faut lutter contre les pratiques à risque et excessives. Mais on ne peut pas dire que l'alcool tue comme si toute boisson, à n'importe quel moment, si on la prend sans excès, tuerait. Mais attendez, y a plein de personnes qui boivent de manière raisonnable de l'alcool et qui ne commettent pas des violences. Heureusement, monsieur Isaac Civil. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ne boivent pas d'alcool et qui sont violentes aussi. Je veux dire, fais attention au message qu'on peut envoyer. Ce qui est important, et il y a un certain nombre d'acteurs qui mènent des campagnes pour des usages modérés, y compris sur des attitudes responsables, je pense à la sécurité routière, voilà. Je pense que c'est un combat qui est important. Merci. Mais je ne suis pas sûr qu'une hausse de taxes soit pertinente. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 2028, Madame Janvier. Alors, c'est un amendement qui vise finalement deux objectifs. D'une part, qui va dans le sens du précédent amendement, donc avec ce principe d'une fiscalité comportementale sur l'alcool, qui est en effet responsable de 40 000 morts par an. Donc oui, l'alcool tue, tout à fait, l'alcool tue en France. Par ailleurs, de permettre de généraliser l'usage du cannabis thérapeutique. Vous savez qu'il y a une expérimentation qui est en cours, qui concerne 3000 patients, enfin qui a été conçue pour pouvoir permettre à 3000 patients d'en bénéficier. Et cette expérimentation s'arrête à la fin du mois de mars. Donc nous devons trouver un cadre pour ne pas laisser ces patients qui en bénéficient actuellement, mais aussi pour proposer une issue aux 300 000 patients qui attendent depuis des années de pouvoir bénéficier de ce cannabis thérapeutique. Et donc, c'est l'objectif de cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement, car reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. En discussion commune, le 285, Monsieur Guetsch, Monsieur Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement, il vise à prévenir l'alcoolisme des jeunes en particulier en créant une contribution assise sur les bières aromatisées, sucrées ou édulcorées dont le produit irait à l'assurance maladie. Les bières produites aujourd'hui par les industriels de la bière et qui sont donc sucrées ou édulcorées ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et peuvent de fait également attirer les personnes mineures. Elles additionnent plusieurs caractéristiques. Un goût comme les prémix qui tendent à masquer le goût de l'alcool à l'aide d'arômes, un packaging pour attirer l'œil et promouvoir un produit tendance,
Et on sait très bien que plus la consommation d'alcool est précoce, plus il y a le risque derrière de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite, et donc, monsieur Bazin, de mourir. Oui ? Oui ? De mourir. Selon l'OMS, c'est une personne sur 20 qui meurt chaque année de l'alcool dans le monde. Donc oui, on meurt de l'alcool. On meurt soit directement, soit indirectement, parce que l'alcoolisation fœtale, elle a aussi des conséquences sur la vie des enfants. Donc c'est pas simplement soi-même qui peut avoir des problèmes de santé, c'est aussi potentiellement les enfants. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet. Cet amendement il a été travaillé avec France Addiction, et je salue par ailleurs le travail de M. Cyril Isaac Sibille et M. Thierry Frappé sur ce point, qui montre l'effet massif de l'évolution de la fiscalité de l'alcool. Monsieur Pétain. Et je rajouterai, il me restait 30 secondes, Madame la Présidente, si je peux juste dire un point. 10 secondes, c'est sur la loi influenceur. On a beaucoup observé l'effet de la publicité, notamment chez les jeunes. Donc on a réussi à montrer que c'était la plupart du temps hors du cadre de la loi Evin, enfin même quasiment tout le temps. Mais il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, les alcoolistes tournent vers les jeunes pour promouvoir la consommation. Merci, Monsieur Pétain. Merci, Madame la Présidente. Nous avons un véritable enjeu de santé publique, et notamment pour les jeunes, avec, comme vient de le dire très bien mon collègue Arthur Delaporte, donc avec toutes ces bières aromatisées, sucrées ou édulcorées, donc produites par les industriels, qui ont pour cible les jeunes, donc les 18-25, mais ça commence aussi bien plus tôt. Et tous les goûts, donc comme les prémix, tendent à masquer le goût de l'alcool à l'aide d'arômes, de sucre et donc d'édulcorants. Tout le packaging est prévu pour attirer l'œil des jeunes. Donc il y a un véritable enjeu et on voit tout le travail qui est fait pour pouvoir justement rentrer dans une consommation d'alcool et dont on sait les conséquences graves qu'il peut y avoir pour la suite. Oui, on peut boire avec modération, mais plus on commence tôt, plus l'addiction est grande et plus les conséquences sont graves. Merci, Madame la rapporteure. Défavorable. Merci, Madame Amiot. Oui, rapidement, Madame la Présidente, je vous remercie. Si mon souvenir est bon, dans cette même salle, il y a un an, nous avions voté pour un amendement similaire. Nous étions tombés collectivement d'accord sur le fait que, effectivement, ces bières aromatisées qui visaient principalement les jeunes pour leur donner le goût d'un alcool qu'ils ne vont même pas goûter en réalité, puisqu'effectivement, on camoufle le goût de l'alcool, mais on les habitue à en consommer et on habitue leur corps à en consommer et à en demander encore. Et nous étions, la sagesse de cette salle avait permis de valider un amendement similaire. Il est dommage qu'il ait disparu avec le 49-3 qui a suivi. Probablement, si nous le votions encore ce soir, il disparaîtrait la semaine prochaine à nouveau. Pour autant, je pense que nous avons un véritable enjeu à voter cet amendement. Je mets aux voix cet amendement. C'est pour aussi, Madame Perron. Ah oui, non. Vous êtes contre ? Vous voulez prendre la parole contre l'amendement ? Allez-y. Nous avons travaillé ce sujet avec notre collègue Audrey Dufeu-Schubert pour le PLFSS 2021. Nous nous sommes attaqués, c'est le terme, au prémix. On a déjà fait un bout de chemin. On verra peut-être au PLFSS pour 2025 si on peut, parce que voilà, moi je voterai contre parce que aller trop vite, ça mène pas forcément là où on voudrait aller. Donc petit pas par petit pas. Voilà, merci. J'ai pris un pour, un contre, donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour. Pour.
Alors, je reprécise, c'est le 285, donc qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il fait tomber le suivant. Le 2781 de Monsieur Isaac Sibille. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'on peut être fier de l'adoption du précédent amendement. Cet amendement, effectivement, on sait qu'effectivement, là actuellement, on dépense des milliards pour soigner des maladies chroniques. Les maladies chroniques, ça représente 80% des dépenses de l'assurance maladie qu'on vient de voter. Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés à destination de la consommation humaine. Le rapport d'enquête de 2018, intitulé « Alimentation industrielle, qualité nutritionnelle, rôle de l'émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance », de la députée Michèle Crouzet, préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de la baisse de sucre pour chaque catégorie de produits en suivant les recommandations de l'OMS. Il est avéré, chers collègues, il est avéré, et vous le savez tous, qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments ultra transformés, favorise la survenue de maladies chroniques, avec une hausse de la prévalence de l'obésité, un phénomène que l'OMS a inscrit en 1997 au titre des grandes épidémies. Chers collègues, au-delà du coût humain qu'elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C'est pour ça que je vous propose d'en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. Le sucre est le principal facteur d'obésité. Le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des aliments transformés. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Même si j'entends l'enjeu de santé publique, évidemment, il y a une expérience quand même qui a été faite au Danemark et qui, en moins d'un an, ont été obligés de revenir en arrière à cause de l'inefficacité et la difficulté de mettre en place et en rétro-pédaler. Donc je crois qu'il faut continuer à travailler sur ce sujet. Avis défavorable. Alors, je prends un pour Madame Janvier. Alors oui, moi je crois que c'est un sujet majeur. L'OMS nous dit que depuis 1975, on a une multiplication par 3 du nombre d'obèses. En France, c'est un Français sur deux qui est sujet à un surpoids ou de l'obésité. Et on connaît les facteurs de cette pathologie elle-même responsable de maladies cardiovasculaires, de diabète. C'est d'une part le mode de vie, hein, le mode de vie et le nomadisme et le manque d'activité physique, et d'autre part, évidemment, l'alimentation, et en particulier l'alimentation industrielle. Donc il faut s'attaquer au sujet notamment du sucre. Donc très favorable à cet amendement. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement 590, Madame Valentin n'est pas défendue. 2779, Monsieur Isaac Sibille. Merci, Madame la rapporteure. Là, il s'agit effectivement exactement par rapport, le même amendement, mais ça, effectivement, c'est par rapport aux boissons sucrées. La contribution sur les boissons comprenant des sucres ajoutés, appelée taxe soda, a été mise en place en 2012 afin d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda. D'après UFC Que Choisir, l'impact de la taxe serait limité. Pour un soda de 100 g de sucre par litre, une canette de 33 centilitres a vu son prix augmenter seulement de 5 centimes d'euros. Ce qui... excusez-moi. Les Français ont baissé leur achat de 3-4 litres par an, ce qui correspond à moins d'un gramme de sucre par jour par personne.
D'après l'INSERM, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 60, s'élèverait à 50 litres de soda par an et par personne, induisant effectivement des risques accrus de maladies de type diabète 2, obésité, maladies coronariennes et autres. L'OMS a considéré que la taxe soda était un outil efficace de lutte contre l'obésité. L'outil en France, l'outil fiscal est mal utilisé parce qu'il y a de trop nombreux paliers. Ce que je vous propose, effectivement, c'est de faire uniquement 3 paliers pour que ce soit compréhensible, lisible et efficace. Je vous remercie. Donc c'est uniquement la reprise de ce qu'on a fait en 2012, mais en simplifiant et en reprenant ça de manière plus efficace. Merci bien. Madame la rapporteure. L'évaluation sur la taxe soda, elle est en cours. Donc il me semble que c'est normal de donner un avis défavorable à partir du moment où on n'a pas encore l'évaluation. Probablement qu'il faudra en reparler au prochain PLFSS. Monsieur Delaporte. Oui, merci. C'est singulier de ne pas vouloir avancer sur le sujet parce qu'il y a des expérimentations en cours, alors que parallèlement sur le plein emploi, vous nous expliquez que parce qu'il y a des expérimentations en cours, il faut avancer. Mais bon, ça, c'est pas une contradiction près. Je me permettrai donc, Madame la Présidente, de solliciter, au nom de notre règlement, une évaluation de l'impact de cet amendement, puisque cela est possible et c'est prévu par notre règlement. Vous nous dites une évaluation aura lieu, mais nous, on peut le faire et le demander dès maintenant à l'OPEX de l'Assemblée nationale pour pouvoir évaluer l'impact de cet amendement qui va dans le bon sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur les boissons sucrées qui produisent de l'obésité, qui contribuent largement à la dégradation de la santé des mineurs, mais aussi de leur dentition. Et je rajouterai que c'est un problème qui se pose encore plus dans les départements ultramarins, où on a une consommation des boissons sucrées qui est bien supérieure. Donc il faut absolument agir à ce niveau-là. Alors, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement en discussion commune. Oui, une minute. Je vais revenir vers vous. En discussion commune, 2 amendements de Monsieur Gage. Allez-y, Monsieur Delaporte. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc ce premier amendement, il vise à instaurer un prix minimum de vente des boissons alcooliques. C'est une proposition de l'OMS qui a été rappelée... j'ai dit quoi ? S'il vous plaît. Alcoolisé. Pardon. Mais c'est une proposition du rapport de l'OMS qui vise à engager des réflexions autour du prix minimum des boissons alcooliques, comme le recommande l'OMS, la Cour des comptes et le chercheur Fabrice Etillé dans son rapport remis à la Midelka. C'est d'ailleurs potentiellement compatible avec le droit de l'UE. Cette politique a un impact important pour les consommateurs excessifs. Et je rajouterai que cette mesure a été mise en place en Écosse depuis mai 2018 avec un impact significatif auprès des plus gros consommateurs, avec une baisse de 13,4% des décès liés à l'alcool et de 4,1% des hospitalisations liées et de 7,3% des hospitalisations liées aux maladies chroniques liées à l'alcool. Donc vous voyez, il peut y avoir des effets extrêmement positifs liés à ce type de solutions législatives. Donc là, on peut changer concrètement avec ce type d'amendement la santé des gens. Et je rajouterai par ailleurs que la prévention de l'alcool, ça s'appuie beaucoup sur Santé publique France, je le redis. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Et donc, chers collègues, je remets de nouveau une alerte. Santé publique France devrait voir son budget baisser de 12% l'an prochain. Et on était avec Madame Lizot cet après-midi, avec le groupe d'études SIDA, en train de visiter donc SIDA Info Service. Et ils nous faisaient part de la décision de Santé publique France de leur baisser de 12% leur propre budget, ce qui va les conduire potentiellement à faire des licenciements. Donc je mets vraiment une alerte parce que 12% de moins pour Santé publique France, c'est 12% de moins pour tout un tas d'opérateurs qui agissent aujourd'hui pour la prévention. Je parlais à l'instant du SIDA, il n'y a pas de lien avec l'alcool, pas directement, mais il y a tout un tas d'opérateurs qui vivent à côté et d'associations qui vont être fortement impactés par cette baisse. Madame la rapporteure. Défavorable. Monsieur Rousset.
Oui, on parle de taxes, encore une fois. Moi, je suis sûr qu'on ne parle pas assez d'éducation, de prévention. Parce que toutes ces addictions au sucre, à l'alcool, au tabac, malheureusement, ça commence très jeune et dans des milieux qui sont souvent pas les plus argentés. Et c'est pas parce que le prix du tabac est très élevé que les gens qui n'ont pas d'argent ne fument pas. Au contraire, moi, je suis persuadé que les gens qui ont un niveau de vie élevé, une éducation assez développée, sont les plus à même à s'auto-réguler, je vais dire. Et donc, le fait de taxer, ça va probablement encore faire baisser le pouvoir d'achat des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir normalement, parce qu'ils vont choisir les produits auxquels ils sont addicts, le sucre, l'alcool et le tabac. Merci. Monsieur Turcot, pour les amendements ? Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne suis pas intervenu tout à l'heure, là, parce qu'il y avait un pour un contre, mais l'enjeu de... qu'on se saisisse de l'enjeu de l'alcool dans notre société, à la fois pour des questions de santé et des questions comportementales. Je vous invite à questionner vos gendarmes et vos policiers. Ils vous disent à peu près 60% des affaires auxquelles ils sont confrontés sont liées, ont un lien direct avec direct ou indirect avec l'alcool. Il faut qu'on soit courageux sur ce sujet-là. C'est un enjeu de société majeur, notamment pour la santé, et qu'on puisse avoir un signal fort. Je crois que ça nous honorerait d'avancer sur ce sujet dès ce soir. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Attendez, je suis sur le 793, hein, pardon. Qui est pour ? Qui est contre ? Non, il est rejeté. On recompte, il n'y a pas de problème. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 465 de Monsieur Guedj, qui est pour ? Attendez, Madame la Présidente, tombe, je pense qu'il tombe, ouais, c'est ça. Il tombe. Alors, Monsieur Isaac Sibyl poursuit sur sa lancée. Merci, Madame la Présidente. Non, mais je crois qu'effectivement, la Commission a bien pris conscience de l'ampleur du sujet et on peut être fiers ce soir. Les deux amendements, je vais les traiter effectivement en même temps. Le premier, effectivement, c'est concernant effectivement les bières de plus de 11 degrés. C'est ce que j'appelle effectivement l'amendement Axel Kahn, qui nous a quittés, mais pour lequel il s'est battu. Et je rejoins tout à fait notre collègue Rousset pour dire que plus on fait tôt, mieux c'est. C'est que ça soit effectivement, que ça soit par rapport à ces bières de plus de 11 degrés qui sont vendues à 50 cc, qui sont là uniquement pour alcooliser la jeunesse, hein. Une bière de plus de 11 degrés en 50 cc, c'est effectivement donc plus que 5 grammes d'alcool absorbé. Généralement, c'est par paquet. Que ça soit ça, que ça soit les bières de plus de 11 degrés, ou que ça soit effectivement un prix minimum pour les ventes de bières lors des happy hours, c'est un petit peu la même chose. Tout ça, effectivement, pour alcooliser la jeunesse. Je suis d'accord, effectivement, qu'il faut... C'est des mesures très incitatives et qu'on le prenne le plus tôt possible. Donc... ces amendements que j'avais présentés effectivement l'année dernière, qui n'avaient pas été pris, là je pense effectivement qu'on peut le dire, on peut aller un petit peu plus loin, et notamment par rapport à l'alcoolisation volontaire de notre jeunesse. Je rappelle effectivement que les fabricants de ces bières ne sont pas français, généralement ils sont de pays nordiques, ils ne sont pas français, donc ça ne touche pas notre économie.
Je vous remercie. Madame la rapporteure. Défavorable. Monsieur Christophe. Oui, je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie quand même dans ce qu'on est en train de faire, parce que c'est assez simpliste de dire si je veux augmenter, ils vont arrêter de consommer. Je suis désolé, non mais j'ai écouté tous vos avis depuis tout à l'heure, je pense qu'à ce stade je peux exprimer le mien, même si j'aurais moins d'une minute du coup, parce que souvent ça se traduit par une privation sur un autre produit. Pour continuer à consommer ce qu'on a envie de consommer, on va priver. Et parfois ce sont les mêmes enfants que vous les protégez qui vont trinquer entre nous, sans jeu de mots, parce que c'est eux qui seront privés in fine. La deuxième chose, c'est que il y a d'autres reports qui se font, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer hypothétiquement des choses, on va tout consommer le même jour. Donc les 7 bières peut-être que j'aurais consommées, puisqu'on en parlait sur la bière, sur la semaine, ça peut-être être 5 le samedi. Et c'est là qu'on aura les désordres qui peuvent se poser. Il y a aussi une petite hypocrisie, parce que finalement, ce qu'on pointe du doigt tous ensemble ici, c'est notre carence en matière d'éducation comportementale. C'est une carence par rapport à ces addictions auxquelles ces gens s'adonnent peut-être. Et je suis désolé, c'est là où on est défaillant. Et là, il y a une forme de... Et le tabac, mon cher Cyril, c'est la même chose. Et il y a une petite hypocrisie, parce que on parlait tout à l'heure du lutter contre le tabac, et les mêmes sont prêts à encourager l'usage du cannabis. Merci. Je pense qu'ils se fument aussi, non ? Madame Janvier. Oui, ça n'est pas le meilleur outil, encore une fois. Je suis d'accord avec vous. Même si le fait d'augmenter la fiscalité, ça permet d'avoir davantage de recettes pour justement financer des politiques de prévention qui sont très faibles en France, sur ce sujet-là, comme sur d'autres substances dont on connaît les dangers, on n'a pas cette approche-là. Donc moi, je crois qu'on a envoyé ce soir, et c'est heureux, un signal très clair sur le fait que nous ne sommes pas satisfaits actuellement de ce qui est fait pour lutter contre la consommation d'alcool, pour reculer l'âge d'entrée en consommation et pour mettre en place, en effet, des politiques de prévention. Voilà. Je mets aux voix l'amendement 2777 qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Je vais recompter. Qui est pour ? Qui est contre ? Oui, il est rejeté. Le 2778, même avis, même vote. Allez, on vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Ben, elle est contre. Mais qu'est-ce qui... On est obligé de recommencer, donc s'il vous plaît, levez bien les mains, ne les bougez plus. Voilà, pour la démocratie, pour votre santé. Ayez un vote clair et net. Merci. Qui est contre ? Il est rejeté. Alors...
Le 400... Allez, il reste 10 minutes. Le 416, Monsieur Bazin. Merci, Madame la Présidente. Je le dis devant tous nos collègues, alors, ça arrive après l'article 11, mais ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent, puisqu'il s'agit des médicaments dérivés du plasma. C'est la minute Bazin. Allez-y, Monsieur Bazin. Depuis plusieurs années, la France connaît des risques de pénurie en médicaments dérivés du plasma du fait de l'accroissement de la demande mondiale en hémoglobine et de la rareté de la matière première qui compose ces médicaments. On a en fait seulement certains médicaments dérivés du plasma qui sont aujourd'hui exonérés de la contribution spécifique sur le chiffre d'affaires qui est versé par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et ne sont pas concernés par cette exonération les produits qui obtiennent une autorisation de mise sur le marché centralisé européen, soit une grande partie des médicaments dérivés du plasma aujourd'hui disponibles sur le marché français qui restent assujettis à cette contribution finalement de manière discriminatoire. On en a déjà parlé quand on parlait des enjeux du sang, de l'établissement français du sang. Ça semblait quand même susciter une forme de consensus pour évoluer. Et d'ailleurs, le gouvernement, dans un courrier en date du 4 avril 2023, s'est engagé à mettre fin à l'exclusion d'assiette et avec l'objectif de placer tous les laboratoires opérant sur ce marché dans une stricte égalité juridique et d'homogénéiser les conditions d'accès au marché pour les médicaments dérivés du plasma. Ça ne se retrouve pas à ce stade dans le PLFSS. Je trouve ça dommage. Moi, je vous propose par cet amendement, finalement, d'harmoniser ces conditions et finalement joindre les actes à la parole. Et je trouve que ça irait dans le bon sens. Et en plus, c'est un vrai enjeu de santé publique. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur Bazin. Effectivement, c'est un engagement du gouvernement. Donc, je donnerai un avis favorable. Cette mesure répond par ailleurs à un impératif d'égalité juridique. Puisque la différenciation aujourd'hui faite entre les médicaments dérivés du sang selon l'origine du plasma utilisé crée une inégalité de traitement fragile sur le plan du droit européen. Elle répond enfin à un enjeu d'attractivité de la France et d'accès à des produits de santé indispensables. Donc c'est un avis favorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour... qui est contre, il est adopté à l'unanimité. Deux amendements identiques, Monsieur Gage. Oui, il s'appelle Monsieur Delaporte. Cet amendement des députés c'est un socialistes. Un amendement de Monsieur Gage, hein, Monsieur Delaporte, non, faut pas mal le prendre. Hein. Non, mais je. Allez-y. J'ai cru que vous donniez la parole à Monsieur Gage, mais pardon. Bref. Cet amendement donc des députés socialistes est apparenté, qui a été travaillé avec Addiction France, il vise à harmoniser la fiscalité sur les alcools. Les recettes de taxation issues de l'alcool, aujourd'hui, chers collègues, elles ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d'alcool. Pourtant, l'alcool, c'est la deuxième cause de cancer évitable et la première cause d'hospitalisation en France. Et on a un vrai problème sur la fiscalité française sur les boissons alcooliques parce qu'elle se base sur le type d'alcool plutôt que sur le volume d'alcool, alors que l'OMS, elle recommande d'agir sur le prix de tous les alcools. Ainsi, seuls les alcools titrant à plus de 18 degrés sont concernés par la cotisation sécurité sociale qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Et donc cet amendement, il vise tout simplement à étendre la cotisation sécurité sociale à tous les alcools, ce qui aura évidemment une incidence sur les prix des alcools les moins chers, mais c'est par ailleurs les alcools qui sont les plus consommés par les jeunes, mais aussi par les consommateurs excessifs. Donc, en fait, ici, on touche exactement la cible qu'on veut viser, et surtout, en fait, on va alimenter la sécurité sociale pour aller subvenir aux dépenses donc liées induites par l'alcool. Je rajouterai enfin un dernier élément, puisqu'il me reste 22 secondes. Je dirais que la campagne qui a été faite par le ministère de la Santé, boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, raccompagner tes potes s'ils ont trop bu, c'est la base, garder un œil sur tes potes en soirée, c'est la base, ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, c'est la base. C'était, à mon sens, une campagne de santé publique. Merci. Qui a manqué sa cible et qui était malheureuse. Monsieur Pétavi. Oui, enfin... Effectivement, enfin, on peut prolonger sur cette campagne de pub, de prévention, qui était vraiment catastrophique.
Bon, c'est un sujet qui est important et l'amendement a été très très bien défendu par Arthur Delaporte. Très bien, Madame la rapporteure. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Enfin, ces amendements, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. En discussion commune, deux amendements identiques, Madame Janvier. Oui, toujours sur le même sujet qui est de trouver eh bien, un point de sortie à cette expérimentation qui avait été, dont le principe avait été voté en 2019, hein, la LFSS 2020. Il y a eu un retard du fait de la pandémie de 2 ans. Elle arrive maintenant à terme fin mars et elle ne concerne encore une fois que 3000 patients, alors même que 300 000 patients attendent toujours eh bien, un soulagement de leur douleur neuropathique, pour ceux qui sont en soins palliatifs, en oncologie. Si, c'est cet amendement-là, tout à fait. En fait, vous ne voyez pas le... Donc, voilà. Donc l'idée, effectivement, il a fallu trouver une accroche sur cet article-là. Mais l'idée est vraiment de ne pas laisser ces patients, encore une fois, sans solution. Monsieur Pétavi. Merci. Monsieur Delaporte, pour l'amendement de Monsieur Gedge. Oui, sur l'amendement de Monsieur Gedge, qui est le 855, c'est un amendement qui vise à supprimer le plafonnement de l'évolution du prix de l'alcool à 1,75% par an. Bon, je regrette que le précédent n'ait pas été adopté parce qu'il était, à mon sens, encore plus pertinent, mais celui-ci l'est tout autant. Certains produits font l'objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité, le tabac notamment, mais ici, il s'agit donc d'aller plus loin sur un amendement qui a été travaillé par Addiction France, et qui permettra d'abonder le budget de la Sécurité sociale pour financer des programmes de prévention. Et je vous l'ai dit, Santé publique France en a besoin. Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix les amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Le 855, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Il est rejeté. Bien oui, nous allons arrêter là pour ce soir. Je crois que nous avons eu plus qu'il n'en fallait. Et nous reprenons demain matin à 9h30.